ma gang de petits mythos. Hey, ça va comment? Moi, ça va super bien parce que c'est ma fête. C'est la fête à Xav. Allez, dis bonne fête. Attends, juste dire, ce que j'ai dans le cou, c'est pas des sucettes, OK? J'ai du psoriasis. Non, c'est juste que j'ai des commentaires là-dessus, fait que je veux juste pas que le monde pense que je me fais sucer le cou, là. En parlant de sucer le cou, on est encore commencé on va se faire sucer le clit avec Eros et compagnie. Yes, on a deux jeux aujourd'hui parce qu'on a deux magnifiques invités. Mais voilà, si jamais vous voulez vous procurer, on a la rose et... French Kiss. French Kiss. Fait que 15% de rabais, mytho 15, no code. Fait que voilà. Puis ben, j'ai apporté lui parce qu'il fait bien rire. What on the l'a fuck, fait, man. On l'a fait tirer lundi sur notre Patreon. Ouais, fait que allez vous abonner sur le Patreon pour pouvoir le gagner. Non, non, c'est le tirage j'ai déjà fait, c'était lundi. Ah bon, fait que il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de l'utiliser. voilà. Fait c'est que, bon! Et on est aussi commandité ah par... Ah oui, on est commandité par l'équipe CGW. C'est quoi CGW, ben, c'est des courtiers immobiliers de Remax d'abord. Mais voyons donc, ouais. Ouais, CGW pour vendre ou acheter. CGW. Fait que si on veut acheter ou vendre une maison, ben faites affaire avec eux parce qu'on c'est pas bon. CGW, ça me dit, Pierre, comment ça c'est CGW? Ben c'est parce qu'eux autres sont pas caves, ils ont mis toutes leurs premières lettres de leur nom de famille. Ben voyons donc! Pour faire leur nom. Il y a Mathieu Corriveau, Marie-Michelle Gagnon puis Terry Wilkins, les meilleurs courtiers immobiliers du Québec. Fait que vous avez les informations drette là. Fait que voilà. C'est le site web là. Puis leur face. Aujourd'hui, on reçoit Milia et Shanti. Deux amours, deux premières expériences de tournage. Ça faisait longtemps que je les avais pas vues. Honnêtement, je pense que c'était c'est les le meilleurs. Pour elle, là, c'est le meilleur épisode. Genre, moi, les meilleures histoires. Genre, c'est débile. Puis aussi, c'est vraiment intéressant de rentrer comme dans la dynamique familiale de deux invités. Ah oui, plein d'histoires, des petites chicanes, des petites histoires de mafia. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont des frères et sœurs, ça ramène à cette époque où est-ce qu'on se courait après avec des couteaux. Ouais. voilà. Sur ce! Bon épisode, amusez-vous. Bon puis épisode. On vous aime. Musique. Allô! Salut! Allô! Vous allez bien? Ça va super bien, vous autres? Ben ça oui, va. Moi je suis très nostalgique, là, ben je vous l'ai dit, là, mais comme de vous recevoir. T'es trop cute. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Vraiment? Puis en plus, vous êtes deux comme tournures quand même dans mes tournages. Toi, t'es ma première expérience, premier rôle. Oui. C'est que vrai. J'ai eu dans Nelly Arcan, oui, c'est vrai. Avec toi. Puis avant ou après, on a fait un court-métrage aussi. Ouais, Teenage Fever. Ouais, t'es bonne, ouais, exact, ouais. C'est ça. Fait que puis toi, t'es ma première blonde. Première fois que j'avais un lien avec un personnage dans c'est une vrai. Série. C'est vrai, j'étais tellement contente. Moi aussi, c'était la première fois que j'avais genre un chum dans une série. Puis en plus, dans le conseil de famille, genre, j'étais toujours la seule fille avec comme plein de gars. Puis genre, mon personnage crousait toujours un peu tout le monde. Fait que là, j'étais comme contente d'avoir finalement genre finalement, un chum. Finalement, ça a duré genre deux épisodes. Ça avait pas marché, mais sans notre relation. Non, j'arrêtais pas de pleurer, en tout cas, ça me touche beaucoup. Mais pas dans vraie vie, là. Non, je pleurais dans les gars. Il pleure comme je veux pas faire semblant d'être sa blonde. Le personnage, au début, il était comme, ah ouais, il est super intense, là, finalement, ça a comme changé, où il était un peu plus dépressif, là, après, il était gay. Oui, c'est vrai, ouais, à la fin, il était gay. C'est vrai! Ouais, c'était ça. Mais je pense que c'est important qu'ils mettent dans la dernière saison. Puis je pense qu'ils ont fait, bon, quel personnage. Puis, c'est vrai que c'était comme lequel. Ouais, parce que c'est comme ça. Oh, finalement, cet été, je m'étais coupé les cheveux, là, je mettais plus de couleurs. Puis t'es comme. Il a changé en fait. Parce que c'est ça, être gay, c'est. Si je le réalise. Être gay, c'est ça vient avec des couleurs. Exact, exact. Les cheveux. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça qui est. Ah, fait que ça me fait vraiment plaisir. Que vous soyez là. Et puis ensemble aussi, c'est malade. Ouais. Okay, là, j'ai juste de quoi à dire avant qu'on commence. Les deux, vous êtes vraiment loin de votre micro. Puis on va se le faire merde. Dire. Mais je vous aime. Puis toutes, là, vous êtes belles. C'est le premier podcast. Premier podcast? Ouais. Ah ouais? Moi aussi. Ah oui, parce que t'as enregistré avec Edithiane récemment. Mais c'était pas pour un podcast, là. C'était pour un balado. C'était pour un balado de fiction, c'est exact. C'était-tu cool? C'était vraiment le fun. Ça s'appelle Anna Caritas. Moi, c'était ma première expérience de voix, mettons. Ouais. Puis j'ai trippé, là. C'était vraiment cool. Fait que là, écoute. T'aimerais-tu en faire plus? Pour vrai, oui, je pense. C'est quelque chose que c'est comme. Faire de la voix, c'était tellement une autre facette d'un jeu que je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui n'ont pas la chance de travailler. Ouais. Puis pour de vrai, j'étais même pas capable de m'entendre avec mes écouteurs. Genre, j'entendais ma voix. Okay. Puis ah, ouais. Mes petits bruits de bouche, puis j'étais genre, oh, j'ai c'est ça. Fait, mais juste jouer pour de vrai, j'ai vraiment trippé. C'était une folle expérience. Puis ben, c'est ça, là, c'était la saison 2. J'espère qu'il y a une saison 3. Ouais, ben, mais ça, j'imagine. Là, si pourquoi ça, tu me regardes? Pas moi qui te regarde. Mais non, moi, le doublage, parce qu'à l'école de théâtre, à la fin, on a comme des cours de doublage dans des studios. De... Ah, c'est cool. C'était tellement le fun, là. Mais c'est fou. Débile. Genre, là, j'ai plus de cash, là, mais quand je vais en avoir un peu, je veux, ça me tente de me payer des cours là-dessus. Ça, puis... ça, c'est la fête à Xav. Oui. Aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, quand le podcast va sortir. Ouais.
Mais c'est proche de vos dates aussi, me semble. Vous êtes, non, une des... Oui, toi, t'es en octobre. Ben, toi aussi, mais genre, toi, t'es une semaine après moi ou... Je pense... Oh my God, je sais pas c'est quoi ta date. Moi, c'est le 11. OK, moi, c'est le 18. C'est ça! Non, une semaine! Ouais, mais je me souvenais. Ouais, fait qu'elle est là, souhaiter bonne fête. Fait que. Allez la texter. Ah, ben là, Big 21, yeah. Des balances, ouais. Ça avait zéro rapport. 21, 22, moi. 22. Bon, 21. Bon. 21. Wow, 18. 18. Ben, moi, ma fête, c'est en janvier. Janvier. Ah, c'est ça, je pensais que vous deux, vous étiez octobre, OK. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, mais ça c'est cool. Fait que ça fait quand même deux. C'est ben c'est ça, on a deux ans de différence, fait qu'à chaque fois qu'on pogne des bons steps 18 20, c'est comme on rentre dans ouais. Ouais, c'est vrai que c'est le... tout le temps comme des ouais. âges importants pour ouais, mais c'est ouais, bon ouais, le ouais. step il est ouais. ouais, mais le 21, c'est quand même, je sais pas, 21 international baby. Ouais, genre 19 là, c'est genre ça rend bien. Ouais, t'es légal en Ontario. Ouais, ça fait quand même un an plus que 18. Je trouve que ça fait comme. On accorde trop d'importance aux âges. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça m'a tellement troublé toute ma jeunesse. Genre, absolument. À fort. Parce qu'on travaille tellement avec du monde tout le temps plus vieux en tournage. On devient ouais. des petits adultes à des très jeunes âges. Ouais, ouais. Fait que quand. Genre, j'avais juste hâte d'être enfin l'adulte. Puis là, wow. je suis là, puis je suis genre. Ouais, ben finalement, ça change pas grand chose. C'est ça, parce que tu sais ta valeur à l'intérieur de toi. Fait que t'es comme, mais que j'aille 20 ou que j'aille 35, mais je sais qui je suis à l'intérieur. Fait que ça, ben, je vais pas changer. Genre, ouais. oui, tu changes, mais dans le sens, tu sais que t'es toi. Fait que t'ailles. Mais ça, je pense que ça change plus que je vieillis. Tu sais que t'as pas moins de valeur parce que t'es plus jeune, non, parce non. que tu sais non, que tu vaux. Mais genre... surtout sur un plateau, genre, quand tu travailles avec tout le monde, comme, admettons, dans le conseil de famille, j'étais celle comme. Ah ouais, j'avais 12 ans, puis tout le monde avait comme 15, 16. Mais puis tu jouais en secondaire 5. Ouais, on jouait qu'on était toutes dans la même classe, puis genre, il y avait aucune différence. Ah, même ouais. sur le plateau, le monde, il savait même pas. Puis à chaque ben oui, fois, j'étais comme, oui, j'ai 12 ans. Tout le monde était comme. 3 ans de différence, puis on jouait comme si on avait la même âge, tu sais. Mais genre, plus on vieillissait, plus tout le monde commençait à genre être des vrais adultes, puis moi j'étais comme, ben j'ai encore 14 là finalement, ouais. Je suis vraiment la plus jeune. Tu sais, c'est comme ça, c'est genre d'affaire que quand on est jeune, genre ado, on est comme, oh mon Dieu, c'était genre tellement 3 ans de plus, puis là à cette heure t'es comme, ben on s'en fout là. Hey, genre ouais. 20, 23, ça change absolument rien. Mais surtout rien, dans nos âges aussi, là on est, tu sais, là je suis rendu que je reçois des breakdowns, puis je suis comme 27 ans, je suis comme, de quoi wow, 27 ans, non, mais non, 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 je peux pas jouer 27 ans. C'est le contraire. J'ai tellement une baby face que je joue. Je ouais. reçois des breakdowns 16, puis je suis comme, ah ouais, ah ouais, hein, ça, encore vrai. 16 ans, OK. Puis ma sœur, elle a l'air plus vieille que moi. Ouais, c'est vrai. Elle auditionne. Elle auditionne. On auditionne pour les mêmes affaires. On auditionne pour les mêmes affaires. Ouais. Mais mettons, genre, il la voit 18, puis moi, des fois, il m'envoie pas les affaires parce que, genre, j'ai pas. J'ai comme wow. plus vieille, mais j'ai l'air plus mais jeune. Mais t'as de l'air plus ouais, jeune, ouais. c'est ça. Mais le dernier projet que j'ai fait avec un plus gros personnage, j'avais 15 ans. Je l'ai testé cet été. What? Là. Oh mon Dieu. Puis là, j'étais comme. Il y a personne de 15 ans qui te ressemble. Non, mais non, c'est ça. Ils prennent toujours des gens vraiment plus. Mais là, j'avais la tête rasée. Puis tout. Ah oui, il n'y avait pas de moustache. 20 ans, 30 chez Mathieu. Ouais, ouais. J'avais pas de moustache non plus. Ah, là, c'était 15 ans. Moi, je pensais que c'était 17. C'était 15-16. Elle te va bien, ta moustache? Hein, ouais. J'haïs les moustaches. Moi, j'aime bien. Mais elle te va bien. Mais moi, mes parents, mettons, je leur montre. Puis tout le monde, mes parents, ils me pointent tout le temps. Toute ma famille me pointe du doigt à quel point ils trouvent ça super laid. Ah ouais? Ta moustache? Tout le monde déteste. Oh non. De ma famille. À part ma grand-mère. Ah, j'aime trop ta grand-mère. Ouais, mais moi, là, ça, c'est fini, là. Je vais l'enlever. Oh, je le gardais pour garder pour le un look, mais ça va, là. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Non, non, mais là... Mais personne te demande mais ça! Mais je sais pas, mais là, ça va, là. Ça fait 2-3 mois. Avec la petite chemise rouge, la petite chaîne, la petite moustache, ça fait très mafieux. Oui, peux-tu te dire que t'as coupé le derrière de ta chemise pour qu'on puisse voir ton cul? C'est super. Fallait regarder d'en avant. Complètement inutile. Ceux qui sont en audio... J'ai tellement de stouler. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont en audio, c'est pour voir le cul d'un exemple. Allez, sérieux. Est-ce que vous avez des chicanes, des fois, parce que vous avez les mêmes rôles? Les rôles, les mêmes auditions? Je suis sûre qu'on a exactement la même courbe d'émotion. On a fait. J'étais comme. Chicane! Oui! Non, pour des rôles, jamais. Non, genre, vraiment. Ah ouais, ça c'est cool. Mais ben, il faut pas, là, je pense. On est tellement proches de toute notre enfance jusqu'à aujourd'hui. On a tellement tout le temps fait les mêmes affaires en même temps que, genre, tu sais, je veux dire, c'était des cours. Autant les sports que les mêmes écoles, que, genre, même les mêmes amis. Fait que les tournages, on dirait qu'on a décidé que, genre. Ben, aussi, ça serait vraiment pas sain, là, je pense. Mais non, 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 mais justement, mais tu sais, mettons, vous deux, vous voulez full un rôle. Ouais. Tu sais, dans le sens. Il y en a une des deux. Mais honnêtement, c'est toujours dit, s'il y en a une autre, une des deux qui l'a, ça reste dans la famille. Ah, oui. C'est quand, les deux ont fait l'audition, on a deux chances. On a deux chances de l'avoir. Parce que j'aime mieux que ma sœur l'a eu que quelqu'un que je connais pas. Je suis comme, au moins, c'est resté dans la famille. Elle va vivre une belle expérience. C'est ça, au moins, je suis contente. C'est pas moi, mais c'est quelqu'un que j'aime. Ah, ben c'est ça qu'il faut, c'est le minding. C'est fou parce qu'on dit pas ça juste pour de vrai. Non, non, pour vrai. Mais nos parents nous l'ont vraiment appris dès qu'on était petits. C'était comme, t'es contente pour ta sœur, puis c'est comme si c'était toi. Ta sœur aussi a fait du. Ouais. Mais là, elle auditionne pas pour les mêmes enfants. Oh non, quand même. Elle a quel âge? Elle a
12 ans. Ouais, okay. Ouais. C'est un peu. Ah, oui. Et ça va bien? Vraiment. Vraiment. Mais c'est notre bébé, là. Ouais. Genre... Mais là, elle était encore plus jeune quand j'ai comme. J'ai 8 ans de différence avec elle. Moi, elle a 6. Puis vous entendez bien? Ouais, c'est même. C'est notre croquette, là. Ouais. Ben, c'est bébé, ça, c'est le petit bébé. C'est ça que ça fait souvent, là, tu sais, le dernier qui. On se chicane pas avec. Non, mais non, c'est comme ça. On a pas eu la même. Elle a pas la même enfance avec ses sœurs que, genre, moi, j'ai eu avec ma sœur. Ah ouais, comme, elle se fera pas courir après avec un couteau. Non, c'est ça. Elle est même âge de comme. Non, mais vous allez voir dans les anecdotes, là, mais dans le sens, genre, pour de vrai. Ah, j'ai hâte. Ce fut l'enfer, là. C'était vraiment très, très. On était violentes. On était vraiment. On était agressives, je dirais. Ouais, vraiment. Moi, mon frère, là, dans son dos, il y a des traces d'ongles. Ah, parce ouais. que quand il me gossait, j'y pognais le dos, genre, puis au ouais. sang. Ouais. Puis une année, ma mère, elle a dit, la prochaine fois que tu fais ça, là, je prends le truc pour comme, couper les ongles des chiens, puis je te coupe les ongles avec je ça. Je te coupe les doigts. Maman, oh maman t'es comme, je vais te couper les ongles à peau si tu refais ça. Mais mon frère, il a encore des cicatrices. Mais voyons donc. Non, mais je te jure. Mais c'est ça, mais vous êtes proches dans, en on, on a 2 ans, ouais, comme ouais, c'est ça, c'est les pires âges. Ouais. Pour, quand t'es petit, là, pour vrai, c'est des coups bas après des coups bas. Tu t'envoies chier. Le facile, la petite. Vous êtes assez vieux. Pour être proche, genre, dans le sens. Mais parce que moi, mettons, moi, c'est 4 ans avec mon frère. Puis ça a fait ouais. qu'on est zéro, zéro ouais. proche. Ouais. Genre, là, ça devient vraiment mieux, on se parle plus. Parce plus que tu là, grandis, on, plus mais tu te dis, moi, j'avais besoin de full attention, mais on est très différents aussi, mais tu sais, lui. On se chicanait full, mais c'était pas sneaky. Parce ouais. que moi, je dis, j'avais 5 ans, il y avait 9 ans. On n'était pas dans les mêmes. Non, c'est pas la même affaire. C'est lui qui riait de toi parce que t'étais petit, que tu pouvais pas ça, parler même plus que lui. Ouais, c'est ça, c'était plus frustrant. Puis moi qui venait le gosser. Ouais, ouais. T'étais vraiment amis, le petit frère. Le, ouais, j'étais le petit frère. Mais moi, j'ai toujours été comme aussi grande que Mia, pas mal. Fait qu'on là, dirait t'es que j'avais. Plus grande. Là, je suis plus grande aujourd'hui. Mais tu sais, quand on était petite, le monde pensait qu'on était des jumelles parce que comme j'avais déjà l'air un peu plus vieille, puis j'étais plus grande. Fait que moi, je m'en servais, là, comme j'étais aussi forte qu'elle, même si j'étais plus jeune. Fait que moi, non, moi tout mon frère, tu sais, parce que les filles ont leur puberté avant les gars. Ouais. Ouais. Puis j'ai eu ma puberté, mais comme avant, moi tôt, puis mon frère tard. Fait que moi, j'ai eu ma puberté avant mon frère. C'est bon, j'étais comme bon. Plus grande que lui, puis un long bout qu'on était égales, mais une année, ça devait comme... être tellement le frustrer. Ah ouais, oh mais je sais pas à quel point ça allait. Mais comme moi, je jouais là-dessus, genre, tu sais, j'étais comme, je disais au monde, comme, ouais, genre, c'est mon grand frère, mais c'est comme si c'était mon petit frère, parce que genre. Tu l'as-tu vu, la cradonnée, bon. Genre? La cradonnée. Mais c'est ça, moi, je c'est ma petite sœur. Je ouais. spécifie toujours, ben là, de moins en moins, là, mais moi, c'est ça. Oui, mais oui, c'est ma petite sœur. Je le sais, là, leur petit ouais. Je le sais. On dirait, les filles qui ont eu des frères, moi, toutes mes amies qui ont des frères, comme, oh, moi, j'aurais tellement aimé avoir une sœur. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense nous, on a que... toujours dit qu'on voulait un frère. Ouais. C'est mais ça. Moi, je trouve que, genre, je sais pas, je trouve la dynamique entre deux filles. Des filles, c'est tellement sneaky, là. Ouais, ouais. You have no idea. Comme, c'est tellement, genre, moi, moi, j'ai haï passer mon linge dans la vie, là. Genre, c'est la chose que je déteste le plus au monde. Puis, comme, avoir une sœur qui est comme, je peux-tu passer l'affaire, je serais comme. Non! Oh my god. Ça fait des mais chicanes. C'est pour vrai, c'est notre chicane c'est qui dure ouais. comme encore aujourd'hui. Je te dirais, comme quand on était petite, c'est ça, quand on était petite, on se chicanait pour des un peu tout et rien, genre. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est les ça. Seules que ah ouais. chicanent, c'est parce qu'elle prend ah, tout mon linge. Je suis contente que vous soyez là, vous deux, genre, ça va être une belle. Ouais, je trouve ça nice. C'est vraiment nice. Tu veux te poser la question? Ah oui. Est-ce que dans la vie, vous êtes des bonnes menteuses? Ben, individuellement. Honnêtement, je pense qu'avec notre travail, on n'a pas le choix de, est, genre, ouais. de jouer quelque chose. Fait que, ouais. genre, dans le sens des petits mensonges blancs. Ça, t'es pas bonne menteuse. Non, mais les petits mensonges blancs, c'est correct. Mais je suis tellement anxieuse dans la vie que, genre, je peux pas entretenir un mensonge. Ouais. Genre, c'est tellement. Genre, je suis comme. Mais là, je vais pas vous dire toutes mes affaires non plus. Mais je suis très, très. Tout me paraît d'en face. En même temps, c'est notre travail. Là. C'est ouais. sûr que, comme. Ouais. Ouais, mais t'es un personnage quand tu mens. Versus c'est ça. Parce que moi qui la connais, je sais. Ouais, ouais. Mais aussi, on n'a jamais eu tant à mentir, je pense, parce que comme nos parents, ils ont toujours été vraiment, vraiment chill. Ouvert. Fait que, tu sais, on dirait les mensonges de boss que tu fais quand t'es jeune, jamais. C'est à tes parents. Ouais, ouais. Nous, ils ont toujours tout su. Fait qu'on n'avait pas à leur mentir. Vous mentiez pas plus quand vous étiez jeune ou. Non, c'est ça. Genre, les seules j'ai places que j'ai menti, c'est comme c'est l'école ah, cool, ou genre ouais, des petits mensonges blancs à des amis, mais comme. On n'a pas à mentir. De whatever. À cause du trafic ou que. Mais finalement, c'est juste ce matin. Et c'est vraiment retard ce matin. Mais non, c'est ça, c'est des petites affaires qui font pas de mal à personne. Ça, genre, ouais. ça me dérange pas, je suis capable de le glisser. Ouais. Mais comme des vrais gros mensonges, honnêtement, je pense que ça me mangerait trop de l'intérieur. Mais c'est ouais. ça, des fois aussi, il y a des mensonges que tu dis qui fait pas mal à personne, mais des fois, quand tu mens, ça fait moins mal à personne aussi. C'est vrai. Genre, j'aime on mieux, non, ça, j'aime mieux le pas. Savoir. Mais ça dépend ah ouais. quoi? Mettons qu'il y a quelqu'un... Je te donne une mise en situation. Mettons que... On est censé aller au resto le soir. Moi, ça me tente vraiment fucking pas d'y aller. Ah, puis je te dis,
hey, genre, j'ai vraiment une migraine, comme, j'ai... Moi, c'est mais c'est moi, ça dépend quelle âge. Comme, je veux pas y aller. T'es mieux que je te dise, hey, pour vrai, genre, asseoir et manger avec toi, ça n'entend vraiment pas. T'es mieux que ça va pas. Mais pas de même. Ça dépend si t'es avec moi, c'est juste méchant, là. Genre, non, mais si tu me dis, hey, pour de vrai, je suis vraiment fatiguée à soir, puis c'est comme, je pensais que ça allait me tenter, mais j'ai une grosse semaine. Non, mais mettons que je suis pas fatiguée. Genre, hey, 100%, j'aime tellement mieux que tu sois fun puis honnête avec moi, que tu me caches des affaires, que tu me dises pas, que moi, je me... OK, là, que moi, je me fasse des idées après. Est-ce qu'elle était vraiment avec une migraine? Est-ce qu'elle avait vraiment chillé avec moi? Mais ouais, genre, on avait parlé de ça l'autre fois aussi, de comme, tu sais, mettons, je suis censée faire de quoi avec toi, puis que je suis comme, finalement, elle m'a proposé quelque chose, ça me tente plus de faire ça, genre. Puis je suis comme, ah, qu'est-ce que je fais? Genre, ça, c'est chiant. Est-ce que je l'ai dit, hey, j'ai une autre proposition, ou je fais comme, ah, je peux pas, tu sais. Mix. Ben, mix les activités. Moi, quelqu'un me texte. Moi, quelqu'un me texte, genre. Je suis comme, ah, ben, genre, j'avais déjà quelque chose de prévu, mais comme, viens avec nous. Genre, pour de vrai, j'ai tellement, genre. C'est beau. Mix du monde. On a tellement de gang, on a tellement d'affaires. Mais bref, non, j'allais dire que, genre, j'ai tellement de la misère à. Genre, tu sais, je suis vraiment, vraiment anxieuse dans la vie. Fait que, genre, comme, j'aime mieux tout le temps être front, j'aime mieux tout le temps être vrai avec le monde. Parce que, genre, moi, sinon, je me fais 8000 scénarios dans ma tête, puis, genre, j'appréhende. T'as pas besoin de cette anxiété-là de plus. Ouais, là. C'est ça, du mensonge. Mais moi, je trouve que notre mensonge, genre, qu'on fait le plus souvent, puis ça vient de notre mère, on exagère. On exagère les histoires, mais ma mère est comme 100 fois pire que nous. Genre, elle raconte une histoire, puis genre, toute la table était là. Puis on se regarde toutes, puis on est comme, non, that's not what happened. Mais est-ce que vous le dites, mettons qu'elle raconte cette anecdote-là à quelqu'un d'autre, est-ce que vous dites, t'exagères ou vous embarquez quand avec elle? Non, quand c'est ma mère, je suis comme, maman, c'est même pas... genre, on était genre même pas 40, là, on était genre 10. Mais si c'est moi, par exemple, qui raconte mon histoire, genre... Si quelqu'un fait ça, t'es genre... Non, je suis comme, non, on était 40. Ouais, c'est ça. Non, qu'est-ce que tu dis, genre? Nous, on s'encourage, mais moi aussi, j'ai des amis, des fois, qui sont comme, c'est pas ça. Ou tantôt, était comme, faudrait que tu fasses un TikTok là-dessus, sur une affaire, puis j'étais comme... Ah oui, c'est... J'étais comme, ben là, je vais pas dire c'est quoi, mais j'étais genre... Je peux pas parce que c'est pas vrai. Mais j'étais genre. Parce que mais c'est un peu vrai, mais il y en a pas. C'est tellement exagéré l'histoire, pis j'étais comme. C'est parce que moi, j'ai des amis du secondaire qui vont le savoir, là. Que c'est pas ça qui est arrivé. Écoute, j'étais comme. C'est pas ça qui est arrivé, genre. Mais j'étais genre. Tu sais, que ça passe dans le podcast, ok, mais je veux pas comme faire un extrait parce que je suis comme. C'est vraiment pas ça qui s'est passé. Ben fais-le, je suis pas grave. Ben oui, en tout cas. Mais qu'est-ce que je veux savoir, c'est quoi? Ben c'est. C'est que. Il veut pas le dire. À mon secondaire, aux examens du ministère, il y avait quelqu'un qui. Tirait les alarmes de feu. Oh my god! Pour qu'on manque les examens d'une c'est tellement méchant! Je sais, mais ça, je veux dire, c'est arrivé genre 2-3 fois. Mais quand même, 2-3 fois. J'ai une réaction, je suis désolée, mais c'est tellement intense, elle est comme j'aurais tellement aimé ça! Mais c'est ça, mais c'est qu'on était un peu comme ça va-tu arriver aujourd'hui, puis on va-tu manquer l'examen? Ah shit! Mais tu sais, j'ai un peu exagéré, puis j'ai fait comme à chaque année, puis à chaque comme, examen. Il était comme, il paye du monde! Parce que lui, il trouvait pas c'était qui. Mais c'est vrai qu'il trouvait pas c'était qui. Mais c'est vrai qu'il trouvait pas c'est qui. Mais j'imagine qu'il payait du monde parce que. Tu m'as dit non de la personne. Non, mais c'est juste qu'il était à côté de moi, enfin j'étais comme. Puis l'alarme de feu sonnait quand même, mais on le savait que c'était lui. Ok, ouais. Enfin j'étais comme probablement que ça. En tout cas, puis ils l'ont jamais trouvé l'école. Ah non! C'était gros ça. Mais tu sais ce qui fait les meilleurs. Tu sais ce qui fait les meilleures histoires, c'est les meilleurs raconteurs. Fait qu'au final, genre, si t'exagères, puis que ça fait pas de mal à la personne, puis que ton histoire devient meilleure, puis tu fais rire le monde, honnêtement, why not? Mais nous, je trouve qu'on s'encourage. Admettons, si tu dis une petite information. Oh ouais, c'était tellement intense. Ouais, là, je te regarde, puis je suis comme, ouais, mais je sais que genre, juste le eye contact. Elle est bonne pour raconter de bord tantôt, là. Ah, j'ai peur, là, finalement. On va pas le remarquer, puis on va le. On va pas. Non, on est trop. On le remarquera pas, mais après, je vais le réécouter, puis le faire. Ah ouais? Ah non! Non mais, genre... C'est un bon stress, c'est un bon stress. Ouais, mais vous allez voir, honnêtement, on pose tellement de questions, on est tellement avec vous que comme... Genre même ce qui est vrai, j'ai l'impression que je vais complètement me dire de la merde. Moi, j'étais allée au tricheur, là. T'es allée au tricheur? Non, j'ai fait le tricheur, j'ai réalisé... Non, je vais pas dire réaliser, mais dans le sens, comme le gros plateau et tout, puis genre, quand tu vois apparaître sur ta... Ouais, j'ai été tricheur. Puis genre, quand ça apparaît sur ta... God! Vous êtes le tricheur, là. L'espèce de comme papam, 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 qui se pomme. Puis merde, comment il s'appelle l'animateur? C'est. Il est trop. Guy Jourdouin. Guy Jourdouin, exact. Il est tellement bon. Puis genre, c'est pour ça que, genre, là, nous, ça fait 20 personnes là, que vous voyez ici, là. Ouais, c'est sorti. Mais vous, ça fait 20 personnes. Fait qu'au fil du temps, vous allez devenir vraiment. Lui, il s'est développé des stratégies pour savoir qui ment comment. Puis des fois, il fake. De.
pour pas tout le temps deviner, genre. Non, non, il essaie tout le temps de deviner. Parce que ça donne d'argent. Son... Ouais, parce que s'il devine pas, ben, on a plus de cash. Ouais. Fait que, genre, il veut. Non, non, clairement, il pratique, là, il check tout. Non, mais il y a une assistante entre les takes, genre, entre les pauses, parce qu'il y a des pauses publicitaires, il y a une assistante qui vient, puis il développe, genre, il parle entre les takes de comme, ah ouais, elle a répondu ça à cette question-là, elle a rajouté telle lettre. Ils sont deux, genre, ils sont ensemble, puis ils pensent à leur thing. Genre, c'est vraiment intense. Il t'a deviné? Moi, les deux fois que j'ai joué, genre, je sais pas, je suis allée deux fois au Trichard, les deux fois que j'ai joué, il m'a deviné, mais pas tout le monde. Là, okay. Une fois, il y a aucune des invitées qui m'a deviné, mais Guy. Puis genre, là, si j'y retourne, c'est la seule chose que je veux accomplir, c'est que Guy ne me trouve pas, genre. C'est tellement bon. Hey, moi, je serais stressée parce que je suis... Hey, on devrait inviter Guy Jodoin. Oh! honnêtement, ça serait un fou ça concept, un bon parce menteur, que hein? Je pense qu'il... Oh my God, ça serait bon! Malade! Ouais, bon. Genre, hey, lui, il devine les tricheurs depuis je sais pas combien de saisons. Honnêtement, si... Vous... Saison 3. Hey, en plus, je pense, genre, mon ancienne coloc qui travaille avec lui, fait que je pense. Mais là, vous avez un lien. Il doit avoir des folles anecdotes. Ah, c'est sûr, il doit avoir des bonnes anecdotes. Ah, bon call. Est-ce qu'on se lance? Jodoin. Vu que vous êtes stressé, on va profiter de ce stress-là. Fait que dans le fond, on s'est deux vérités, un mensonge. Vous faites juste dire les trois titres. Puis après ça, nous, on va comme décider notre préféré qu'on commence. Puis genre. Puis c'est ça. Puis. Ça va bien aller. OK. OK, tu commences? Ouais, je commence. OK. On a déjà fait affaire avec la mafia indonésienne. What the fuck? Yo, c'est bon! Oh là là là! OK, on s'est déjà fait renvoyer, ben suspendre les deux de notre école à cause d'une connerie que moi j'avais fait. Puis, à cause d'une chicane de sœur, j'ai déjà envoyé Shanice à l'hôpital. Wow! Je pense que c'est, à date, c'est les meilleures trois phrases. Il dit ça à chaque fois. Moi, les trois histoires, j'ai aucune idée de où ça peut aller. Moi non plus, j'ai aucune idée. Mais si on a laissé du suspense dans nos... Il y a beaucoup allé dans beaucoup de directions différentes aussi. Ouais. C'est trois histoires qui sont complètement différentes les unes des autres. Genre. Wow. Fait, okay. J'adore. On commence. L'Indonésie. L'Indonésie. On commence. Explique-leur, c'est où? C'est où l'Indonésie? Ah! Parce qu'une année, c'est quoi le pays? C'était le Brésil, le puis Brésil. L'Italie. Elle était genre, ah, mais le Brésil, c'était à côté de l'Italie, puis t'es genre... Parce que dans le fond, avant de faire les podcasts, on s'est pratiqué avec comme de mes amis, genre pour être sûr que le concept fonctionnait, puis tout. Mon ami est italien, puis là, il disait, oh, j'ai traversé au Brésil. Puis là, moi, j'étais comme... Mais le Brésil, c'est proche de l'Italie, genre! Eh bien, étudiant, tu prends des affaires, mais Géo, par exemple. Non, mais je respire, là, arrête! Fait Indonésie. Vous étiez en voyage là-bas? À Bali. On était en voyage à Bali. Notre tante habite là-bas. Combien de temps, à peu près? C'était genre en 2016? Oh, ben, c'était. Moi, j'étais en secondaire 2. Fait que j'étais en sixième année. Je sais pas c'était en quelle année que j'étais en sixième année. OK, mais ça nous... C'est 11-12 ans. Fait que t'avais 11, 2017, parce que c'était secondaire 2, fait que c'était juste après que j'ai fait les Rois Mongols. Fait que 2017. Ouais. Mais c'est ça, notre tante, elle habite là-bas avec nos cousines. Fait qu'on est allés... Encore là? Ouais, encore aujourd'hui. Ça fait quand même longtemps qu'elle habite là-bas. Moi, je suis allée une fois. Je suis allée deux fois. OK. J'ai toujours l'impression que c'est tellement beau au voyage. C'est la destination. Mais nous, notre tante, elle habite là-bas depuis vraiment, vraiment longtemps. Là. Elle a déménagé là quand elle avait 17 ans. Okay. Ben, pas à Bali, en Asie. Fait que, bref. Fait que là, on est allé la visiter. Puis, quand tu vois Bali, je pensais que c'était genre dans le sud. Je pensais pas que c'était en Indonésie. C'est genre une toute petite île. Une petite île. En fait, l'Indonésie, c'est plein d'îles. Puis. C'est dans quel continent? C'est en Asie. C'est en Asie. C'est. Mettons, check. Je vais me retirer à l'instant. De l'Australie. Puis genre juste en haut de l'Australie, t'as comme plein de petites îles. Ah, genre à côté des Philippines. C'est proche des Philippines. T'as l'Indonésie, tu montes un petit peu, t'as genre la Thaïlande, puis ouais, genre c'est que les Philippines, c'est à côté de l'Australie, l'Indonésie, c'est en haut. Fait que les Philippines, ça appartient... Mais mettons, si moi je choisis une destination voyage, ça va être vraiment plus pour les aspects culturels que les aspects géographiques. Mais ça dépend quand même, dans le sens... Mais c'est parce que... Chine ou au Japon, c'est pas exactement... Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais dans le sens, je vais pas dire, ah, je veux aller en Asie, fait que, OK, je vais aller au Japon. Comme je vais aller au Japon à cause que la culture là-bas m'intéresse. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est tellement long, aller à Bali, en fait. Ouais, ça nous a pris 36 heures se rendre. C'est sûr, là. Mais en tout cas, on était à Bali, puis justement, c'est plein... C'est ça, en même temps qu'au Bali?
Non, mais c'était l'année d'avant. C'est l'année d'avant. Ouais. On est allé l'année d'avant. Puis l'année d'après. Y'a plus de touristes à cause de ça ou pas? Non, ça n'a pas rapport. Mais c'est quand même très touristique. Okay. Honnêtement, ouais, moi, je suis retournée au mois de mars de cette année à Bali. Puis le boom qu'il y avait eu, pour de vrai, ça faisait quoi? 5 ans? Que, ben, parce que pub, c'est genre. Tellement populaire. C'est rendu beaucoup genre. De pub, c'est une bonne équipe de marketing. Non, mais. Bali, là, vraiment. Non, mais c'est rendu tellement Instagrammable, Bali. Genre, comme Instagram l'a mis sur la map et c'est les petits cafés, les petites affaires. C'est très genre esthétique. Genre, mais partout. Mais, comme les beach clubs, les belles plages. Mais parce qu'avant, ouais. Ça c'était une centième du prix. Le billet coûtait cher, mais rendu là-bas, c'était des peanuts. Puis pour de vrai, t'arrives dans un café maintenant, puis tu t'achètes un Pokéball, puis c'est 20$ US. Ils ont compris, genre, là. Ils ont compris, ouais. Là. Comme si puis l'impact est encore plus visible pour votre tante qui habite là-bas. Là, ben t'sais. Oui, elle a capote, là. Elle a vu tout ça, comme OK, ben moi je suis là-bas, c'est bon, genre je rends mon argent, puis tout. Mais là, c'est parce que. Oui, mais totalement. En plus, il y a tellement de blancs comme. Des gens d'un peu partout qui vont habiter là parce que justement les cher. Terrains sont vraiment pas chers puis c'est vraiment luxueux fait qu'il y a beaucoup wow. De gens qui viennent comme beaucoup de Québécois ouais, de beaucoup luxe. D'Américains il y a plein d'expats là-bas genre beaucoup de que c'est vraiment exotique mais en même temps c'est full luxueux a, parce la, que c'est pour les touristes la culture de Bali qu'est-ce qui arrive c'est que c'est toute l'Indonésie est musulmane ouais. Mais Bali c'est hindouiste. OK, fait que c'est la seule fait que quand il y a beaucoup de monde qui arrive sur l'île et tout, leur culture, c'est un peu comme notre Québec qui se bat pour notre langue française ouais. À travers le Canada, eux ils se battent pour leur religion, puis quand il y a plein de monde qui arrive, eux ils doivent garder leur cérémonie puis leur genre leur culture en fait à travers cette île-là, puis ils sont tellement envahis par les blancs, c'est vraiment rochant là. Oh my god. Comme place aussi. Oui. Dû genre, à ça. Hey, tu peux pas comme l'alcool, c'est pas mal la seule affaire de légal, puis genre la cigarette, tu fumes un bat là-bas. Tu te fais ah non, envoyer prison, en prison. Ouais. C'est-tu vrai ouais, que ouais. Tu peux pas... Oh my god. Coucher, genre, tu peux pas aller en hôtel oui. Avec oui. Si t'es ouais. Pas marié ou... Ben ça, c'est plus... C'est pas à Bali. C'est pas, ben c'est en Indonésie. La loi, elle peut ouais. Passer officiellement encore. Ben peut-être que là, quand on va faire le... Quand ça va sortir, oui. Mais c'est que faut que tu sois un couple marié pour c'est partager ça. Une chambre d'hôtel pour que... Puis le mariage là-bas ça, et okay. Le mariage homosexuel est illégal. Ouais. Fait que c'est pour refuser les homosexuels dans l'île. Mais si c'est deux amis qui vont dormir... Ben, non, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. Ils veulent pas. Faut que, genre, si c'est familial... C'est surtout ça qu'il faut pas qu'il arrive, genre. Puis aussi, c'est le sexe avant le mariage, c'est interdit. C'est ça. Wow. Si, mettons, je veux aller, mettons, avec ma mère à non, l'hôtel... Non, c'est correct. Là, c'est je peux... C'est un moment, là. Okay. C'est correct. Ils sont pas... Tu sais, je sais pas. Mariez-vous! Wow! On se calme! Non, je veux pas! Fait que... Mais c'est ça, c'est la seule île qui est... Hindouiste. Fait que, bref, nous, on a notre voyage là-bas, tout va bien, puis on décide d'aller sur les petites îles qui sont à côté. Ça s'appelle Gili Island. Puis c'est genre... Gili Island, c'est genre un assemblage de genre trois petites îles. Puis on passe, quoi, 4-5 jours là-bas. On a ouais, notre but de notre voyage à Bali, c'était de comme, faire les petites îles à côté. Tu okay. Peux prendre des bateaux, puis aller wow. Visiter, genre, quelques jours. Fait que là, on était toute la famille, puis on était comme... Hey, toute la famille, on est neuf, là, genre. Parce ouais. Qu'il faut dire que... On habite à Montréal avec ouais. Genre notre tante, notre oncle, notre cousin, notre cousine. Nous, on est en bas, notre autre sœur, nos deux parents. Fait qu'on est neuf. Ouais. Et là, il y avait. On fait toujours tous nos voyages, bon tout le monde ensemble. Tu capoterais à quel point. Mais c'est genre, c'est deux condos, genre. Okay. Fait que, mais, comme, mais c'est relié, c'est relié par fait l'intérieur. Que tout le monde descend, on mange tout le temps, tout le monde ensemble. Ah, mais tu sais, il y a quand même tout le monde dans sa chambre, il y a deux vois, cuisines. J'adore deux salons, ma famille. Genre. Ça, je serais pas capable. Mais tout le monde dit ça, mais c'est comme, on a vraiment nos espaces en nous. Non, c'est que non, mais nous, on est des grands gueules qui veulent tout gérer, là. Ouais. Tout le monde dans ma famille, on est de même, là. Je serais pas capable. Je serais comme, va tout tuer, tabarnak. Tu sais, comme ils veulent tout gérer, je suis comme ma façon de gérer, c'est la meilleure. Fermez vos yeux. Je serais moi pas capable. Je serais pas capable. Un souper de famille, là, faut que je prenne un petit Xanax, sinon c'est pas vrai. Faut se calmer un peu avant d'y aller, sinon c'est aussi trop intense. Mais dis-toi qu'on est neuf, et on est quand même toutes des bonnes personnalités. Puis en plus, il y a ma tante avec les deux jumelles qui habitent là-bas. Ouais. Fait qu'on ouais. Est. Un bon groupe. On est sur les îles de Gili et au bout de 4-5 jours, on décide de reprendre le bateau, mais... Pour revenir à Bali. Parce que vous avez dormi là, il y avait des petites... Oh, ouais, tu peux louer... on avait loué un hôtel, genre là. OK, parfait. Puis genre là-bas, en plus, t'as pas de... Genre, c'est tellement petit comme île que t'as pas de voiture, t'as pas rien. C'est genre une île avec juste comme des vélos, wow. Puis genre aucun automobile. Aucun moteur. Genre ah, même ouais. Pour les déchets, faut qu'il y ait des bateaux qui viennent chercher les déchets. Hey. Genre comme, c'est ah, vraiment ouais. Petit. C'est tellement hot. C'est vraiment petit. Puis, tu dois te sentir vraiment full en nature vu qu'il y a comme rien. Ouais, mais de... c'est ça. Y a rien, en même temps, il y a plein de gros restos puis des trucs. C'est, ça, fait, c'est comme un peu le contraste. Comme un entre-deux. Comme ouais, c'est intéressant. Mais c'est vraiment le fun. Puis genre,
honnêtement, tu sors complètement de ton ordinaire quand t'arrives sur une île de même. C'est comme à quel point je suis loin de Montréal. Ouais, c'est sûr. Là. C'est complètement dépaysant. Wow. C'est ça le but dans le voyage. Tu restes là. Ouais, avoir su, tu restes là. Ah, tu petit suspense. Mais c'est ça, finalement, au bout de 3-4 jours, on décide de partir. Mais la marée est rendue vraiment intense, puis il y a beaucoup de vagues. Il y avait genre des grosses tempêtes pendant genre une couple de jours, puis le père de nos cousines est pilote d'avion, fait qu'il nous écrivait comme retournez pas en mer, il y a des grosses tempêtes qui s'en viennent, genre vous avez pas le choix de rester là, puis tout. Mais le monde des bateaux était comme on s'en fout, genre. Ouais, on est embarqué dans un bateau. On est embarqué. Un petit bateau là, genre en mode life jacket là. Ouais. C'est pas un catamaran. Non, c'est vraiment des petits bateaux comme de fortune là, un peu, puis on est avec plein de touristes. Puis on commence notre aller vers Bali. C'est combien de temps? C'est pas très long. Mais en fait, avec les petits bateaux, il faut se rendre sur un plus gros. Genre, parce que comme, c'est tellement petit comme île que genre. Tu peux pas amener le grand bateau à côté de l'île. Non. Puis on a payé nos billets, genre, comme dans le sens, genre, c'est comme. Il se gère par une compagnie, comme n'importe quelle compagnie de bateau. C'est comme un transit, mais tout est inclus, là. Ouais, c'est ça. Puis t'as le aller-retour, comme un billet d'avion. Ouais. Hein. Fait qu'on arrive pour aller sur le bateau. Puis quand on arrive sur le bateau, genre. Ça shake de fou, là. On est rendu sur le gros traversier, mettons. Ça shake de malade, on capote. Puis, on comprend pas trop ce que les gens y disent parce que c'est en indonésien, mais finalement, on arrive sur un quai, puis on n'est pas à Bali. Puis ça c'est genre une autre île comme mi-chemin, genre, qui s'appelle Lombok. Qui s'appelle Lombok. Puis, mais voyons, on arrive. Mais non, t'as réagi, Lombok. Non, mais imagine, si tu penses arriver à une place, puis t'arrives à une autre place. Mais non, mais je comprends, mais le nom, ça coûte du nom. Mais c'est ça, nous aussi, on capote, on parle avec le monde, puis là, qu'est-ce qui se passe, puis il dit, il y a trop de vagues, on peut pas prendre de bateau, personne peut retourner. C'est pour ça qu'ils vous emmenaient là. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on arrive à Lombok. On n'est pas ni sur une île. En Indonésie, on est 9 personnes, genre, on capote. Puis c'est pas tant une île touristique. Non, c'est... Vraiment, c'est la moins touristique de toutes les îles du coin. Il y a un hôtel. Là-bas, c'est full musulman, puis genre, quand t'arrives, comme là, nous, on est là avec nos petites camisoles, puis genre musulman, genre, toutes les femmes, ils sont... Les femmes sont voilées, ils peuvent pas nourrir, genre, comme, même les chauffeurs de taxi sont avec leurs femmes dans le taxi, genre, femme... Fait quand vous êtes là... Vous sortez du lot quand même. Place. Ouais, on se sent pas à notre place. On est vraiment checkés, là. On est toutes des blondes aux yeux bleus, là, en plus. Fait que, on sort du lot, là, clairement. Puis on arrive avec tous nos petits sacs, puis on est comme, qu'est-ce qu'on fait? En maillot, genre, un short maillot. Puis finalement, on est resté pogné à Lombok un autre, genre, 4 jours. Parce que la marée s'est jamais calmée. À cette place-là. Ouais, ouais. On a loué un hôtel, on est resté dans l'hôtel, puis. T'as-tu le fun quand même? Ouais, ouais. C'était un gros resort, là. C'était comme la seule place. Puis vous aviez toutes vos affaires, dans le sens. Vous aviez bien porté vos affaires. Nous, on partait pour 3-4 jours dans notre tac. Fait qu'on avait juste un petit sac, là, on avait laissé toutes nos valises chez ma tante qui habite à Bali. Puis on avait juste comme pris nos petits sacs à dos. Puis on était partis pour une petite excursion sur une île. Fait que. T'as pas amené ton cash sen. On était jeunes, là, quand même. Non, on l'avait. À l'hôtel, on l'avait nos bobettes dans le lavabo. Ouais. Là, on avait. Bref, il s'est passé plein d'autres affaires. Des gommes bons. Ouais, c'était là, il s'est passé tellement d'affaires aussi. Mais longue histoire, après finalement 4 jours. On peut repartir et reprendre le gros ferry. Mais oui, parce que là, les compagnies, ils veulent plus être genre en mer, là, les compagnies qu'on avait acheté les billets pour. Fait qu'il n'y a plus de bateau. Fait que la seule façon de retourner à Bali, c'est de prendre le ferry commun. Mais comme, c'est comme pas pour des gens, c'était genre pour des... Non, mais c'est pour des locaux. Pour les locaux, ouais, OK, pas pour les touristes. Ouais, on était les seuls blancs, genre, sur le bateau. Puis on est arrivés là, puis j'ai jamais vu quelque chose d'autant... insalubre, genre c'était un bateau mais comme vraiment un genre de ferry comme. C'est là que tu vois comme le contraste entre genre les locaux qui essaient juste de vivre leur vie puis les touristes. Tout le monde était comme assis à terre, genre le plancher était comme sale. Il y avait des coquerelles partout. J'ai jamais vu autant genre de coquerelles. Qui marchaient de même, ils montaient comme un peu comme des mouches qui gossent. Ça montait un peu sur les chevilles puis les gars. Voilà, ils faisaient de même puis genre ils fumaient toutes des cigarettes genre à l'intérieur. À l'intérieur les fenêtres fermées. C'était supposé d'être pas si long. C'est supposé être comme peut-être une nuit de genre 2h30. Ouais. Mais tu sais, c'est un gros bateau, c'est long là. Ça va vraiment, vraiment lentement. Puis là, finalement, c'était tellement dégueulasse. Puis nous, on est quand même. On a les bébés dans les bras. On est quand même princesse, là. Notre mère l'est quasiment encore plus que nous, genre. Fait qu'on est arrivé là, ma mère était comme. Mali a pleuré. Ouais, ma petite sœur était quand même vraiment jeune. Ma mère était comme, moi, c'est impossible que je m'assoie là. Avec les kids, genre. Puis genre, c'était comme toutes des messieurs, tu sais, qui avaient l'air un peu sketch. Il fallait qu'on traverse. On revenait à Bali, il n'y a pas d'autres bateaux.
c'est le seul bateau, puis on sait pas, la marée, elle va changer dans les jours qui suivent, fait qu'il faut absolument monter sur ce ferry-là. Ouais, puis c'est ça, de partir de cet île-là aussi, là, dans le sens... Ouais, ouais. Ouais, on voulait pas rester à Lombok pour le reste de notre voyage, là, comme ça. On a fait le tour du resort, là, on voulait partir. Ça. Fait que là, ma mère, tu veux le dire ou je l'ai dit? Ma mère... il y a comme un toit d'or comme sur le bateau, tu sais, tu peux toujours aller en avant, mais il pleut à mort parce que dans les derniers jours comme c'était dans la tempête et tout, fait qu'il pleut, fait que là nous on est comme bon, on va juste rester sur l'extérieur. Il y a genre des Australiens qui sont là avec leurs planches de surf, il y avait des surfeurs genre qui dormaient sur leur surf parce que ils voulaient pas rester à l'intérieur non plus, puis ils voient juste un mec avec sa cigarette genre à côté sur genre un Indonésien là de même avec sa cigarette et tout, puis ma mère est-ce qu'elle game, elle va y parler, puis elle, genre there's no fucking way que genre toute ma famille dort à l'intérieur. Oh my god. Genre, je peux-tu te payer, je peux-tu faire quelque chose? Elle était comme, genre, on veut. Pourquoi dormir? Parce qu'il était juste là. C'était le soir. Tout le monde dormait genre couché par terre. Puis on savait qu'on allait rester là pour une couple d'heures. Fait que on n'allait pas comme rester debout à côté de tout le monde, genre à l'intérieur. Si le gars, sûrement, il y avait une certaine prestance que tu disais, lui, il était comme à côté de genre des portes, là. Comme clairement, tu pouvais rentrer où est-ce qu'il était, là. C'était comme les cabines. C'était une place un peu. C'était genre les cabines du crew, je pense. Ben, c'est ça qu'on a déduit. Les cabines, genre, des marins. Fait qu'elle était comme, je peux-tu payer pour ma mère était genre, que je dorme là parce que je sais qu'il y a d'autres places ici. Juste, ouais. Donne-moi quelque chose, whatever, je m'en fous. J'ai plein d'enfants, puis je veux comme puis j'ai de l'argent pour payer. Puis je veux, puis le gars, il est comme, je reviens. Puis là, il descend, puis il revient avec un autre dude. Puis là, ils sont comme, ils disent 100 $ américains par personne. Là, ma mère est comme... 100 $, on est neuf, là. Genre, c'est comme, c'est 1 000 $, là. Genre, là, comme, pour aller dormir dans les cabines, genre. Puis là, ils ont comme, Pour 2 heures, genre. Genre, pour 2 heures et demie, là. Puis là, ma mère, elle est comme, ben non, c'est pas possible. À négocier avec ce qu'on s'est rendu compte, qui était la mafia du bateau. La mafia indonésienne. Pourquoi? Du bateau. Pour... C'est la mafia. Ben, parce que c'est la mafia. Genre, dans le sens, tu comprends-tu que sur ce bateau-là, là, c'est juste des Indonésiens. C'est genre, j'ai pas de. Ils font sûrement des traverses de choses pas tant légales. C'est comme un bateau qui est pas supposé avoir de touristes. C'est supposé être quasiment de la marchandise, là, ou genre du monde, des travailleurs qui s'en viennent d'île en île. C'est comme son boss pour s'assurer que tout va bien. C'est lui qui. Mais clairement, il était sketch, là. Il était sketch. Ma mère finit par négocier et payer une somme pour qu'on puisse tous dormir dans les affaires. Puis après, les gars, ils se cassent. Nous ne les voyons plus de tout le ride. Genre, c'était clairement pas des gens du bateau, là, finalement. Là. Comme c'est là qu'on a compris. On a payé du monde pour aller dans des cabines, puis on dormait sur des tapis de prière musulmans, là, genre comme... Non, les cabines étaient dégueulasses. Là, quand on est rentré là, on était comme, OK, ça valait vraiment pas... Ben, ça valait au moins, il y a pas tout le monde qui te regarde. Ouais, mais c'était comme... Ah ouais, mais juste... Mais ça se peut qu'on était là, puis qu'on avait absolument pas le droit d'être là, puis que si le vrai crew arrivait, là... On a payé des doudes, puis ils sont juste partis avec notre argent, puis genre, on aurait pu se faire, genre... Qu'est-ce que vous faites là, les blancs qui sont là avec les kids dans les cabines? Puis en plus, tu sais, c'est des mini cabines pour comme une personne là, puis nous on était toute ma famille dans une, puis toute la famille de ma tante et tout dans l'autre parce qu'il y avait genre 2 cabines. Fait que c'est un lit simple. Mon père là, c'était un monsieur costaud, puis genre il dormait avec genre ma petite sœur, ma mère, puis nous on dormait genre deux. Il faisait tellement chaud, puis finalement, à cause de toutes les tempêtes au port, il y avait aucun bateau qui pouvait rentrer depuis genre plusieurs jours. Fait que on est resté sur le bateau finalement 9 heures. On est resté 9 heures sur ce bateau-là, dans des mini-cabines. Genre, ma cousine, qui était claustrophobe, elle a fait genre une crise de panique. Elle a genre dormi, ben, était avec genre ma tante dehors tout le long parce que genre, elle pouvait même pas rester là-dedans tellement que c'était genre petit et insalubre et étouffant, là. C'était comme vraiment comme une cabine de bateau, là, dégueulasse. Oh my God. Fait que bref, on a encouragé la mafia indonésienne pour payer des choses sur un bateau qu'on avait absolument pas le droit d'être là. Puis on a dormi dans un truc insalubre avec des coquerelles en voyage en Indonésie. Wow! Seigneur, ça c'est une des bonnes anecdotes. Ben oui. Seigneur! Wow! Ben là, c'était débile. J'ai aucune question à poser, c'était génial, clair, c'était bon. J'ai tout vu. Wow! Ok, j'ai très été satisfait, ça se dit pas. J'ai été très satisfait. J'ai été très satisfait. Ouais. Wow. T'es bon. Merci. Le français, ça va. Ouais, c'est ça.
Ok, tu veux passer à Ben moi, je m'en rappelle même plus c'est quoi les autres histoires. Je suis rendue. On s'est fait suspendre une semaine à cause d'une de mes conneries. Ah oui. Puis l'hôpital. Puis elle m'a envoyé à l'hôpital après une chicane. On peut-être avec l'hôpital. L'hôpital, on passe à l'hôpital. L'hôpital, ok. Oh my god! Après, attends, faut que je m'en remette un peu. Ouais, ouais, c'est quand même une c'est grosse histoire. Ouais, ouais, genre avoir vécu ça à comme. Mais ça fait une. J'avais 14 ans, là. Mais c'est une. Mais genre, sur le coup, tu fais genre, what the fuck, mais après, c'est comme tellement une anecdote de fou, là. Non, c'est une anecdote de fou. Non, mais sur le coup, on était pas contents. Genre, je veux dire, l'anecdote, a dure sur 3, 4, 5 jours, dans le sens qu'on l'a fait en raccourci, puis même à ça, c'est un peu décousu, mais il y a tellement de choses qui se sont passées quand on était. Sur l'île, admettons qu'on a dû rester, là. Genre, il y a tellement de choses qui se sont passées. Genre, mon père s'est fait rentrer des oursins dans les pieds. Genre, il y a plein d'autres anecdotes à partir de. Ça a été une grosse semaine. Puis, genre, moi, j'avais 14 ans, tout ce que je voulais, c'est je voyais mes amis qui étaient à Cheyaga à Montréal, puis genre, je pleurais. On était vraiment, genre, pas grateful à cet âge-là. Genre, on faisait des énormes voyages, puis comme voir nos amis de chiller au parc La Fontaine, ça nous faisait chier, parce que nous, on était pognés sur un bateau, genre, dégueulasse. Mais comme, après, genre, je regarde back, puis je suis genre, à quel point c'est une des expériences. C'est une bonne expérience. Oui, exact. Incroyable que j'ai jamais vécu. Exact, exact. Wow. Hey, ça, ça se forme un humain. Ou que je n'ai pas vécu, tu sais, c'est ça l'affaire. Ah! Mais vous étiez un des bonnes raconteuses ensemble, les deux. Wow, j'étais de même. Tout le long, je pense que j'ai eu la bouche ouverte. Merci. Moi, j'étais de même tout le long. Ouais, on parle de petites chicanes. Ben, il faut savoir que quand on était petites, on l'a dit un peu, mais on était vraiment violentes. Puis on se battait comme. C'était de l'amour, mais c'était. Qu'il y avait des armes impliquées. Des armes? Mes ongles. C'était elle avec ses griffes. Il était pas aussi long que ça dans le temps, mais comme. Mais vous aviez quel âge? Non, mais toi, ça t'est jamais arrivé avec ton frère de courir après avec un couteau dans la maison? Moi, j'étais déjà menacée avec un couteau. Tu te souviens? Ben, genre, j'avais tenu un couteau de même, pis genre. Elle était genre, ah! Pis genre, mes parents, je pense que c'était la plus grosse. Je me suis tellement fait chicaner. Je pouvais pas frapper mon frère parce qu'il était plus vieux. Il était plus grand. Fait que moi, je sais que je le gossais pour qu'il me frappe, pis quand il me frappait, je riais. Ça! Il me frappait, puis là, j'étais comme, ça me fait même pas mal. Puis il me frappait, puis je suis comme, tu peux te faire plus fort. Puis c'est là, ça, tu veux le tirer jusqu'à bout. Jusqu'à temps que je pleure, et quand je pleurais, j'étais comme, maman! C'est toujours ça. C'est toujours ça. Mais nous, on était plus, on était égales quand c'est même, ça. Là, on était non, à un ça, niveau. Elle a toujours été grande. Fait que, comme, ça. On avait vraiment. Mais j'étais quand même la petite sœur qui voulait gosser, puis qui faisait les trucs de petite sœur, mais comme, j'étais capable de. C'est comme, voyons, Milia, t'es la plus vieille, c'est toi qui devrais montrer l'exemple. Elle l'a entendu trop souvent. C'est vrai? Non, mais on s'arrachait comme des poignets de cheveux, on se faisait saigner. Comme... C'est, non, c'était vraiment rechant. Fait que là, une fois, je me souviens même pas pourquoi. Honnêtement, mais non plus. Je voulais pas sortir de sa chambre. Ça, je m'en souviens. Ah, classique. Ouais. Quel âge? Moi, j'avais 6 ans. Là. 8, là. Moi, j'ai 8 à la liste. Ouais. Genre, j'étais vraiment petite. C'est normal que, genre, tu te souviens pas pourquoi. Non, c'est ça. Ça devait être une chicane anodine, là. Ah, ouais. Une chicane de genre, t'as pris ma poulie. Genre. Mais je me souviens que je voulais pas sortir de sa chambre. Genre, je sais pas. À condition. J'étais sûrement juste pour la faire chier, là. J'étais comme, j'ai envie d'être avec toi. Non, va-t'en. J'ai envie de rester dans ta chambre. Non, va-t'en. Non, non, non. En plus, ça commence à se donner des claques, des affaires. Puis, genre. Puis, finalement, comme, on se court un peu après dans ma chambre. Puis, là, je réussis à la pogner, puis je la pogne sur le lit, mais en mode policier, tu sais, les deux mains derrière le dos, genre, ouais, c'est oui. Comme... Puis moi, je suis comme à Californie. Mais moi, j'étais couchée sur le lit, là, avec les deux mains dans le dos. Ah, de face ou de... Couchée sur le ventre. Couchée sur le ventre. Moi, comme ouais, ça. Ce qu'il faisait, c'est qu'il me mettait de coucher sur le dos, puis il me bloquait les mains avec ses... Oui, comme ça, en clé, genre. Non, comme de même, avec ses genoux, puis il chatouillait. Ah, oh, c'est la torture. C'est vraiment la torture. Fait que tu comprends? Hey, moi, se faire chatouiller, là... Sérieux, c'est la pire chose, puis premièrement, puis deuxièmement... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, ben, aujourd'hui, on apprend super tôt le consentement aux enfants. Puis genre, ah, mais c'est vrai. Puis on dit, moi, j'avais, arrête. Puis il y a rien. Arrête, on te ferait. Mais comme moi, genre, tu sais, j'ai travaillé souvent avec les enfants. Puis des fois, mettons, je chatouillais, puis dès que l'enfant dit arrête, ben j'arrête. Faut que tu lui fasses comprendre que s'il veut pas, C'est ça, arrête. Une fois, puis l'enfant le fait pas. Mais c'est vrai, ça. Non, non, mais puis je monte ça, puis là, ben. Une fois, elle m'a dit « Ah, ben, je voulais pas que t'arrêtes. » Ben, j'ai dit « Ben, tu m'as dit arrête, j'ai arrêté. » Je voulais pas que t'arrêtes, pour vrai. Ah, c'est vrai. Mais ben, c'est le mot que je pense que ma grand-mère l'a dit encore aujourd'hui, le mot que j'ai plus entendu dans votre enfance, c'est « Arrête! » Ouais, quand on était avec notre grand-mère, si on se faisait garder par notre grand-mère, on avait pas le droit de dire « Arrête ». Non, c'était interdit de dire « Arrête » parce que, c'est non, non, mais c'était juste genre ça « Arrête! » »« Arrête! » »« Arrête! » Genre, c'est comme pour rien. Genre, non, mais c'est la façon de dire « Arrête! » Ouais, mais on était chiantes. « Maman! Mais qu'elle me gosse! »
C'était tout le temps ça. C'est fou, hein, la relation frère et sœur, c'est comme... Tu taillis pour mourir, mais en même temps... Tu pourrais tuer l'autre personne. Puis en même temps, quelqu'un l'a fait chier, puis t'es comme... Wow! Ouais. Genre, je suis là, puis je vais te décrisser. Genre, mais comme, parce, en même temps, je comprends ça parce que ton frère et sœur, c'était bizarre, de toute façon, je l'ai dit, mais vous avez compris. Tu le choisis pas, là. Fait que si, tu sais, dans le sens. Mais c'est ça que je trouve beau, moi. Mais oui, oui, exactement. Puis, genre, tu sais, moi, mon frère est vraiment différent de moi. Il est comme plus introverti. Comme il est quand même full verbatile et tout. Mais tu sais, lui, il étudie en informatique, il joue à Donjon Dragon. J'en ai vraiment, vraiment okay, différent. Ouais, ouais, ouais. Puis, comme on en a pas l'autre fois, j'étais comme. Autre chose. On est différents. Non, non, on a compris la personne. C'est comme un. Ah ouais. Putain, mais non, non, mais c'était un bon indicatif. C'est pas dans ma famille. Les opposés. C'est ça. Ben, tu le dis aussi, là. Tu sais, on est allé prendre une marche, moi, lui, puis mon frère. L'autre fois, mon frère était comme, moi, j'étais un esti de rejet. Genre, ben, il dit pour niaiser, il est pas rejet pour vrai, là. Mais comme il dit ça, genre, non, mais il s'assume dans ses affaires, puis il est comme full. Moi, je suis de même, puis je m'en colle, qu'est-ce que le monde pense. Puis, pour ça, on se ressemble. Mais puis l'autre fois on se parlait de ça, j'étais comme, tu sais, moi dans la vie je me serais jamais allée vers quelqu'un comme ça, genre je comprends, j'aurais jamais ouais, je comprends. Été vers, mais là vu que c'est mon frère, j'ai pas le choix, fait que ça fait que ben là je vais plus vers ces gens-là parce que tu sais mon frère est comme ça, ben ouais, ces gens-là je catégorise non, beaucoup, non, mais je comprends, c'est ça, mais c'est un peu, mais là nous on a plus les mêmes passions, mais avec le rideau c'est... ah ouais, c'est vrai, my god, big time, my god, on me verra pas, puis la toile derrière aussi, ouais. C'est concept pour ma fête. mais ouais, mais moi, c'est pour ça que je trouve ça beau un peu l'école de théâtre, parce que oui, on a la même passion, mais c'est un peu, c'est 12 personnes avec qui on a été forcés d'être pendant 4 ans. Ah ouais, non, mais ça, c'est malade mental. Puis je suis comme, c'est pas nécessairement du monde dans, que j'aurais croisé ou que j'aurais une affinité, mais ah là, ouais, on se force, puis je trouve ça super beau. Ça crée une famille un peu. Parce ouais, que c'est pas des amis que j'ai choisis, mais tu vois, c'est des amis que j'ai dû créer. Mais j'ai... 4 ans, je trouve ça fucking intense dans une petite ville. Tu sais, mettons, moi, ah ouais, moi à mon école, c'est 2 ans. Je suis comme, c'est parfait. C'est 2 ans, mais ouais, t'es pas obligé d'être avec eux le soir. Nous, on est à Saint-Hyacinthe, ouais, on a ça, personne d'autre. Ouais, non, c'est vrai, nous, ça le ça soir, ta famille. On chill avec eux parce que. Ah non, mais ça devient sectal. Mais ouais, vraiment. Mais c'est vraiment une expérience qui fait grandir à un non, point. Non, mais tu découvres en tant que personne, t'apprends à genre te gérer. Débile. Mais je trouve que c'est plus dans les 2 dernières années, c'est sûr, parce que moi, quand j'étais avec vous autres, ça, je le sentais pas tant. Plus première année on en prep. On était jeune aussi. On était vraiment jeune. Première année, oui. Là. Première année, oui. Mais deuxième année, non. J'ai pas senti. C'est ça. Ouais. J'ai pas senti. Mais en tout cas. J'ai pas senti. je me sentais exclue. Parce qu'on a fait l'école ensemble. Moi, j'ai fait deux ans. Je me suis fait couper. Puis lui, il aurait fait couper. Moi, ouais, je me suis coupée. Ouais. Parce qu'il coupe 12 personnes sur 24. Tu sais. Ah, OK. Ouais. Ah! Ben là, maintenant, je suis humoriste, là, fait que ça va, là. Mais... Elle fait l'école de l'humour. Ouais. Attends, pardon, je savais même pas à Saint-Hyacinthe. Tu commences 24 pendant 2 ans, puis après ça, il coupe. Ben, c'est que non, nous, on est rentrés préparatoire, ouais, parce qu'on avait pas de. Fait que c'est année 0, dans le fond. C'est année 0. C'est année 0, 1, 2, 3. Puis quand t'es une année 0, c'est que tu sors du secondaire, que t'as pas de cégep. Puis t'es juste 12. Pour pouvoir faire des cours de base. C'est ça. Fait que eux, après, on rentre, puis on rejoint les premières années. Puis c'est après la première année qu'ils okay, ouais, coupent 50% du monde. Mais moi, tu sais, moi, ça faisait 2 ans. Pour l'année 2 et 3. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais là. Tu sais, mettons, la personne, ça fait 1 an, et comme, OK, genre, j'ai pris 1 an de ma vie, genre, OK. Mais moi, c'est parce que ça faisait 2 ans que j'étais là, puis j'étais comme, OK, mais genre, j'aurais rien en sortant, ouais, là. Mais finalement, ouais, parce que finalement, t'avais pas. Après le secondaire, c'est ça, genre. Okay. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, j'ai eu un deck en morlette communication. Genre. Ouais. Ça, c'est nice quand même. C'est le programme qu'on est. J'ai des études! T'es full content parce que là, t'es à l'école de l'humour. Ben oui, c'est pas ça, puis, faire ça. C'est ça, puis j'aurais. Mais rien n'arrive pour rien, tu vois. Oui, exactement. Mais regarde, c'est j'aurais jamais c'est osé. C'est ah, c'est ça. J'aurais jamais osé aller, genre, dans un bar devant des messieurs faire des jokes. Genre, c'est ouais, bizarre. Mais quand. Dans un bar devant des messieurs. Je vais faire des jokes. Faire des jokes. Mais j'aurais jamais osé faire ça si j'avais pas eu cette claque d'en face-là, tu sais. Mais en tout cas. Fait que. J'étais sur le ventre. Sur le ventre. Les bras dans le dos. C'est bon. On était rendu là. Puis moi, je l'apprenais en mode policier, là, comme les mains derrière ouais, le dos à ouais, côté. Puis Chancy, bien sûr. Moi, je me débattais, là. Je disais, arrête. Là, vos parents étaient où dans cette année? Ben, elle, sa chambre est dans le sous-sol. Fait que, comme il pouvait arriver des choses avant que les parents soient mis au courant. Puis là, justement, je continue à me débattre. Puis là, à un moment donné, je fais genre. À gueule, ça. Ah ouais, je me mets genre, à pleurer. Puis je là, comme. Ouais, elle est comme arrête, va pas voir les parents là, ah, comme, c'est tout le temps ça, c'est comme toi comme, là elle bouge pas, genre elle est juste genre sur le ventre, puis elle est comme ah, puis elle gueule, puis je suis genre fuck, attends merde, qu'est-ce qui vient de se passer, mon coude, puis là je suis comme hein, qu'est-ce qui se passe, puis j'ai tellement et puis là d'un coup tu te sens mal, hein, ah ouais, et là c'est tout en mode chicane, là c'est genre
La panique, là. La panique. Mais moi, je la hissais encore. Disloqué le coude? Je lui ai disloqué le coude. Ben non! Mais là, moi, je suis allée voir mes parents parce que j'étais comme. Ah! Puis là, ton bras était si genre. Ben le coude était bougé, là. Tu sais, la rotule du coude était comme bougée. Moi aussi, je l'ai appris, là. Ouais. Genre, dès qu'on est allé voir les parents, là, ma mère était comme. Oh my god! Esti, genre. Mes cœurs, c'est quoi? Tu peux plus bouger le bras, genre? Ben, j'étais de même, là. J'étais comme. Là, ma mère, tout de suite, était comme. On s'en va à l'hôpital. Puis là, c'est comme, Milia, tasse-toi. Genre, t'as vraiment fait quelque chose d'incroyable. Moi aussi, je braille ma vie. Là, moi, je t'allais passer la nuit. Tu sortais de la chambre, t'es comme, pardon. Exactement. Genre, pire excuse ever. Je t'allais à l'hôpital. En même temps, t'avais raison de faire ça. Genre, dans le sens. Ouais, mais dans le sens, genre, je vais. Mais pas à quel point. Elle peut pas se casser, mais dans le sens. Mais elle est une soeur chiante qui se débat à mort. Vous aviez fait ça mille fois, là. Ouais, exact. Genre, c'est arrivé un peu plus fort. C'est la fois qu'elle s'est bougée mal, puis que moi, je l'ai trop fort. Puis, tu sais, c'est comme un peu elle qui est dans le tort parce qu'elle sortait pas de ta chambre. C'est moi qui vois les filles. Mais là, c'est clairement toi qui fais envoyer un char de mort. Elle qui est là, puis qui gosse, puis qui est comme non. Je fais, Big, fais juste sortir de ma chambre, va-t'en, genre non. Je suis comme puis là, je l'ai pognée, puis elle s'est mal virée, puis je l'ai trop tenu fort, puis elle s'est disloquée le coude. Mais en plus, j'étais allée à l'hôpital, puis il y avait tellement comme d'attente dans la salle d'attente, puis genre, j'étais vraiment la petite fille comme qui pleurait, genre avec le bras. Fait que vu que c'était juste disloqué, le médecin est venu me voir, puis il m'a logé. Redisloqué dans la salle d'attente parce qu'il m'a dit, il a regardé ma mère puis il était comme, si t'attends genre le 10 heures que tu vas attendre dans la salle là, tu peux avoir beaucoup plus de complications parce que ça peut être genre vraiment pire à replacer, ça se peut qu'il faut que tu te le recasses même s'il était pas cassé. Fait que là, ma mère elle lui a juste dit fais-le là, là. Fait que là moi j'étais dans la salle d'attente à frette. Ils m'ont juste redisloqué le coude. Est-ce qu'ils te l'ont dit genre avant? Ben oui, je le voyais disant à ma mère comme il va falloir lui redisloquer parce que sinon genre ça peut être pire, il va peut-être falloir le recasser genre. Fait que là, j'étais comme. Tu t'en souviens bien ou c'est parce qu'on te l'a dit? Non, je m'en souviens très bien. Je me souviens genre où est-ce que j'étais assis genre dans le corridor genre d'attente là. Ouais. Puis je suis revenue à la maison avec comme le petit bras genre dans la tête. Mais là moi maintenant c'était comme j'étais on top of the world là parce que ma mère elle m'a dit tu peux demander ce que tu veux à ta sœur pour. Wow, j'adore votre mère. What? Là, ta sœur, elle doit genre, s'occuper de toi puis faire quelque chose pour se faire pardonner. J'adore cette femme. Fait que là, t'étais à sa merci parce que. J'étais un esclave. Non, mais j'ai vraiment abusé. Là. Genre, je le reconnais aujourd'hui. Là, comme... Mais en même temps, c'est comme. Genre, c'était une semaine. Là, je pense que j'étais abusée. Tu sais, genre, comme... va chercher la télécommande. Va me faire un verre d'eau. Fais-moi à manger. Mais toi, t'avais rien à dire parce que ta mère. Non, les parents, ils ont dit que j'avais le droit. Oh, mais comme j'étais méchante. Elle était écrit-lui une lettre d'excuse. Ouais, elle m'avait fait une lettre d'excuse. Glissé en dessous de la chambre, puis genre, on était juste. Est-ce que tu sentais mal une année, là, t'as recommencé à être fru, t'es comme. Non, mais c'est ça, au début, j'étais comme. Puis ça y est, genre, ma vie est finie, genre, comme mes parents ne m'aimeront plus jamais, genre, c'est comme c'était la fin de ma vie. Puis quand elle est revenue, puis j'ai vu qu'elle était honnêtement chill, puis qu'elle faisait juste m'utiliser, là, à chaque fois, c'est. Parce que disloqué, c'est pas comme si grave, là, une fois qu'il est replacé, genre, ça va, là, mais j'avais quand même un bras. Va me faire m'appeler d'eau, va me chercher ça, tu me dois me prêter ce chandail-là, genre, non, j'abusais vraiment. Moi, j'étais comme. Plus de respect, là. Je prenais le chandail, puis j'ai crissé dessus, puis j'étais, t'es dans le petit chandail, genre, comme. J'étais. Là, on était. Là, ma mère, comme, je ne sais pas, ouais, non, après une semaine, elle était comme, bon, c'est bon. Là, ta soeur, je pense, elle l'a fait assez, là, puis j'étais comme, fuck. Mais genre, pour vrai, j'adore cette conséquence. Elle disait à tout le monde, comme on croisait quelqu'un dans la rue, oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Genre, ma soeur me disloqué le coude. Genre, c'était ma phrase préférée. Genre, ma soeur me disloqué le coude. C'est bon. Puis là, tout le monde était comme, Milia, genre, puis j'étais comme. J'étais comme, elle vraiment horrible, genre. Elle est vraiment dégueulasse. C'est vrai, ce que je dois vivre tous les jours. Fait que, voilà, j'ai eu le coup de disloqué parce que je voulais pas sortir de sa chambre. Bon. J'ai renvoyé ma chambre. Ben, on continue dans le chicane. Ouais, on continue dans le chicane. Parce que là, le temps il faut y aller. Là, non. C'est tellement bon. Ah, mais j'aime tellement. Je savais même pas que ça pouvait se disloquer. Mais ça m'amène tellement de nostalgie. Ça me rappelle les chicanes avec mon frère. Mais je trouve que ça amène vraiment une. Parce qu'on a reçu une mère et son fils. Ah, c'est vrai. C'est super intéressant, mais deux sœurs, genre, c'est c'était drôle, hein, c'est qui? C'était drôle. C'était. Marc-Antoine Delage, il est sur. Il est énorme là, sur TikTok, okay, là, il imite sa mère, puis. Il fait souvent des TikTok avec sa mère, puis je suis comme, c'est un duo iconique, fait que j'étais comme, est-ce que tu peux venir avec ta mère? Ouais, fait qu'il venait avec sa. Puis c'était fucking drôle parce que, genre, tu sais.
T'sais, lui, il commence dans le milieu, il rentre à l'école de théâtre en ce moment, puis toute place, sa mère était là, puis j'avais quand même beaucoup de place, et comme j'étais comme. C'était. Mais les relations familiales, c'est le fun, c'est ça qui est le fun à recevoir, ouais. Là. Ouais. C'est des vraies histoires. Mais c'est surtout, tu sens que tu rentres dans l'intimité de quelqu'un. Ouais, quand tu rentres dans la famille de quelqu'un, t'es comme, OK, c'est le même qui. Mais tu comprends des choses sur les personnes. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Non, juste sur notre enfance, là, genre, sens. Juste aller chez quelqu'un, puis genre, ouvrir son garde-manger, voir quelle sorte de collation il mange, tu sais un peu, genre, dans quelle. Oui, moi, je faisais ça dans les salles de bain. Genre, quand j'allais dans la salle de bain chez quelqu'un, j'aime vraiment comme les cosmétiques, les produits. J'ouvrais comme le cabinet, genre, puis je regardais là, les crèmes de la mer. Genre, j'utilisais rien, mais comme, je prenais, je checkais, genre, j'aimais ça. Je sentais le parfum. Oh my god, ok, j'ai une question. Attends, on va faire vite. Est-ce que. On a le temps, par contre. Je pense qu'il y a personne après nous. Est-ce que vous, vos parents, ils changeaient d'attitude quand vous étiez chez quelqu'un d'autre? Quand vous étiez plus oui, jeune? Oui, mon père! Parce que. Oui! Non, mais oui! Pas tant, non? Parce que je suis comme. Je trouve que quand on est jeune, on s'en rend pas tant compte, mais comme. Moi, mettons, quand je suis dans ma famille versus quand j'étais avec des amis, je suis pas nécessairement pareil. Fait que je suis comme. Ouais. Mes parents qui sont avec des amis. Tu sais, mettons, quand. Ouais, ouais. Comment ils gèrent certaines situations. Ah, fait que tantôt, quand on va aller voir tes parents, tu vas être full différent. Tu vas rencontrer ses parents, tantôt. Ouais. Ouais, première fois. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte! Pour fêter ce fin de 20e épisode. On va à son camping. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Mais moi, je m'en souviens plus, mais j'étais comme. Quand t'es petit, on dirait que ça doit être bizarre d'aller. Dans une autre famille avec tes parents qui. En tout cas, je sais pas. Mais moi, mon père, genre, avec nous, il a tout le temps été très, genre, sévère, je dirais. Là. Mais comme pas méchant, mais comme. Ouais, okay. Tu sais, il fallait que les affaires soient faites ouais. de même. Ouais. Puis je me rappelle que nous autres, on a une grosse, grosse gang d'amis que j'en parle souvent sur le podcast, que comme. On est amis d'enfance, puis comme nos parents sont amis, ouais, puis tout. Puis, mettons, il y en a un là-dedans qui est comme vraiment une fucking bonne relation avec sa fille, puis que lui, il est zéro sévère, puis qui est comme un peu laissé lousse. Ouais. Mais quand mon père est avec lui, encore aujourd'hui, je le remarque. Il est lousse, genre. Il est comme, oh, j'ai Pierre, viens donc me donner un câlin. Ah, genre, bon. Je te dis, il est c'est vraiment comme plus souvent. Puis là, moi, je le fais, je suis comme, oh, mon petit papa, mais je sais que d'habitude, il est pas de même. Ou comme, on dirait. Tu t'es pas comme, ouais, c'est papa, pourquoi t'es tellement différent. Non, non, mais c'est pas fucking intense, mais genre, je le sais, tu sais. Puis comme, à chaque fois on est avec du monde, il est comme tout le temps « Oh, viens donner un câlin à ton petit papa! » Mais genre, habituellement, il fait jamais ça, ah, tu comprends? C'est drôle, ouais. Mais tu sais, il veut ça. Que... Tu sais, on a une bonne relation ensemble, mais il veut que ça paraisse ouais. qu'on a une bonne relation, tu sais. Chante à ton père qui écoute ça. Chante à mon père. Mon père est Patreon, là. Ah, let's go! Il écoute ça, sa job. Ouais. Il travaille pas, man, depuis qu'on a fait juste écouter très ça. Occupé. Ah, OK, dernière. Bon. Fait que c'était quoi, c'est... Les deux, on s'est fait suspendre à cause d'une de mes conneries. Ben, je peux commencer l'histoire. Ça, c'est en quelle année? J'étais en secondaire 3. Ah, donc, okay, c'est j'avais quand même... 15 ans. Récent. Elle est en secondaire 5. Fait que 17 ans. Fait qu'on tournait pour conseil de famille durant ces ben, périodes-là. Ben, 15 ans, ouais. Ah, oh, trop cute. Ouais, ben, 15 ans, on tournait ça devait être Clovis ouais, la dernière saison. On tournait Clovis, genre. Fait qu'en secondaire 3, à notre école, parce qu'on était au même secondaire, il y avait un slam qu'il fallait écrire, dans le cours de français de ma un poème un peu aussi. Ouais, ben il fallait l'écrire, il fallait aussi le faire, genre, devant toutes les secondaires 3. Genre, là. C'était comme le gros projet de secondaire 3. On avait ça aussi, il y avait David Goudreau qui venait voir. Oh my god, nous aussi! C'est David vrai? Goudreau est venu nous voir. Ouais. Genre, je te jure, il est venu en séminaire le avant. Genre, parce que. Oui, non, mais c'est ça. Mais je pense qu'il fait ça beaucoup à être dans ouais, le ouais, c'est pour ça qu'on fait des slams. Ouais, il venait dans l'auditorium, puis genre, il parlait de comment faire un slam, puis genre, on s'était comme, c'était vraiment le gros projet ouais, de ouais. français. Tout le monde savait qu'en secondaire 3, il fallait que tu fasses ouais, un slam. Genre, moi, j'avais vu ma sœur faire le slam, fait que genre, je savais, puis j'avais peur de mon slam en secondaire 3. On dirait qu'il y a comme des éléments marquants dans l'éducation, genre, ouais. tu mettons le cours de sexualité. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ce cours-là, ou genre. Mais surtout si tu as du monde qui te suit, là. Ouais, 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 c'est ça. Nous, ouais, genre, moi, je voyais ma sœur le faire. Ah, ok, ouais. Les mêmes, on fait les mêmes projets. Moi, c'est. Avec mon frère, oui, mais aussi, genre, tu sais, ma gang d'impro, ouais, il était plus vieux un peu, fait que j'étais comme, ah, oh, genre. Je sais que je vais faire ce projet. C'est ça, exact. Ah, les autres, ils m'en parlaient, puis là, j'étais comme, oh my god. Ah, mais j'ai aucune idée comment ce début d'histoire-là peut finir. Mais comme c'est bien. C'est bon. Mais ma sœur, elle a toujours été vraiment, vraiment bonne à l'école, là. Genre, elle avait. Encore aujourd'hui, là, genre, j'ai de la misère à laisser aller les choses, là. Ouais. Non, c'était une bolée, là, à l'école, puis genre, les profs l'adorent. Mais l'anxiété vient de là aussi, là, dans ce sens. Oui, mais 100%, je fais de l'anxiété de performance, puis genre, l'école, c'est une des sources. C'est une des sources premières de mon anxiété parce que, comme, je veux tellement bien réussir, puis les notes, c'est tellement important pour moi. On dirait que c'est une espèce de validation, là. Mais j'en parle avec mon thérapeute, là, mais dans le sens que, comme, c'est vraiment une espèce de grosse validation que j'ai à travers un chiffre, genre, comme 97, puis je suis comme, parfait, j'ai bien réussi, mais pourquoi j'ai pas le 3%, genre. Ouais. Comme, je suis vraiment comme... Elle est crue quand elle a 95, genre, tandis que moi, je suis
l'opposé, comme complètement l'opposé. Genre, je suis quand même bonne à l'école, mais juste, je me force pas. Genre, j'ai été 70, puis je m'en fous, mais si j'étudiais comme elle, sûrement, genre, j'ai pas de la misère à l'école, mais... Non, ouais. t'es intelligente. Ouais, mais je mets pas les efforts, puis je suis vraiment comme... Tu fais pas les efforts. Genre, tu sais, il y a du monde qui mettent pas d'efforts, puis que ça paraît, mais il y en a qui mettent pas d'efforts, puis qui ont 70, 75. Ça marche. Ouais, j'ai jamais eu besoin, surtout au secondaire, tu sais, maintenant, genre, je dois me donner pour, comme, passer. Moi, c'était plus de ton... Ouais, mais c'est ça, genre, comme je me donne over. Genre, tu me dis d'écrire 10 pages, j'en écris 40, là. Genre, comme je suis vraiment. Mon Dieu, t'es 7 filles. Non, je chante, là. C'est vraiment, genre, je lève la main, puis je suis genre, comme. Madame, est-ce que je pourrais pas être dans une classe avec elle? Comme, elle pose, genre, toutes les questions. C'est la fille que moi, je suis comme. Hey, on s'en colle. Oui, il reste 3 minutes, puis j'étais comme. Mais avant, c'est j'avais une question. Ouais, c'est quoi le devoir? Puis là, j'étais comme. Ah, puis là, j'ai une question. Puis là, il s'éternisait, puis tout le monde était comme. En plus, ça pose des questions, genre, sur des trucs. Ah, j'ai vu que dans le cahier, nanana, c'est comme. Hey, je suis même pas allée voir encore. J'avais c'était même quoi pas le devoir? Un cahier, c'est ça, là. Exact. Fait que, en tout cas, ma sœur, elle a toujours été vraiment bonne à l'école. Fait que moi, quand la prof m'est arrivée avec le projet du slam, j'étais comme. Idée de génie, je vais utiliser le slam de ma sœur parce que ma sœur est tellement bonne à l'école, elle a tellement c'est lui qui l'a fait tout ça la même prof genre. Ben j'étais comme je vais le changer un peu là, genre je vais utiliser les mêmes grandes lignes directrices. On avait la même prof, madame Lantier. Ouais non, j'étais pas très. Mais ouais. Tu lui as demandé. On l'a salué, madame Lantier. Non, ben c'est ça l'affaire. C'est que on c'est a ça, la crise de problème là. On a un iCloud de famille, bon. Genre tu sais il y a un iCloud familial partagé, fait que vu qu'on avait toutes les mêmes applications sur nos iPads parce que à notre école c'est sur iPad. Ouais, genre. On est au collège de Montréal, fait qu'on avait tout sur nos iPad, nos travaux. Genre, c'était rien, honnêtement, rien n'était papier. Non, c'est ça. Puis, genre, je savais donc, très bien comment. Archivé. Ouais, je savais très bien comment aller voir sur, genre, l'application, puis écrire, genre, milliard slam, puis ça allait apparaître dans le iCloud de famille. Fait que là, moi, hors tort que j'étais, comme d'habitude, pour mon travail, j'avais j'ai vraiment. Problème la veille. Là. Ouais, genre, ouais. Moi, je pourrais pas. Ouais, ouais. Genre, je suis comme, je dois faire ça, puis comme, c'est pour quand, je suis comme, demain. Mais là, j'y avais pas dit. Non, mais c'est une panique. Non, non, je mais c'est pas. Ça. Ouais, non, là, j'ai... Mais on dirait, moi, je performe mieux. Genre, tu sais, mettons. Moi aussi. Sinon, je le ferais jamais. Là, je sais que j'ai pas le choix de le faire. Mais là, tu sais, mettons, le mini-fest cette année, genre, j'ai écrit mon truc comme 3 jours avant. Mais comment tu fais pour comme être à l'aise quand tu vas le raconter, genre dans le sens que comme moi, ça c'est parce que je sais pas. Ouais, t'étais dedans, puis c'est récent. Ouais, je dis pas que je suis d'accord dans le sens, je dis pas que le résultat va nécessairement être mieux. Genre, je suis d'accord que si je me force, puis il faut que je le fasse en 8 heures, je vais être assis, je vais me prendre, genre, je vais être correct. C'est rushant. Mais moi, c'est l'anxiété durant 2 semaines avant que je vais être comme. Pourquoi me faire vivre 2 semaines d'anxiété pour que la journée d'avant, je fasse comme « Oh shit, je vais le faire 2 semaines avant puis je vais vivre un nez. » Mais j'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça être comme ça. Genre, j'écoute ma série puis je suis comme « Ah, oh, je devrais, mais genre... » Mais là, t'as tout le temps cette pensée-là. Je suis pas assez anxieuse pour ça. Je suis peut-être pour ça que je fais de l'insomnie parce que pendant le jour, ça me dérange pas. Ça a-tu rapport à fait qu'on est balance? Moi, je suis pas tant... Ah, peut-être, mais on est des overachievers. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est ça. Genre, je connais zéro l'astrologie. Moi non plus, c'est pour ça. En tout cas, toi, c'est quoi? Moi, je suis Verseau. Ouais. Ils m'ont dit Verseau. Ma mère, elle est Aquarius. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est en anglais. En anglais. Okay, ouais. Ouais, mais oui, Verseau. En tout cas, moi, fait que. Bélier. Je sais même pas ce que ça veut dire. Genre. Mais moi, je suis comme, ah, t'es bélier. Ouais, c'est ça. Ah, c'était sûr. Ah, c'était sûr. C'est tout en sérieux. Et tellement bélier. Et tellement bélier. T'as quand même une. Parce que là, ça fait longtemps que je t'ai, mais de rencontrer. Que tu m'as. Je tu m'appartiens, genre. Mais je suis comme, te rencontrer pour la première fois, t'as quand même. Un aplomb. Je t'ai quand même détaché la chemise. Pas clair, mais je trouve qu'on peut savoir. Enfin, je suis comme, peut-être que toi, le signe astrologique serait facile à deviner. Je sais pas. Ah, mais il y a du monde. Mais moi, j'aurais peut-être dit lion. Ouais. Moi, je suis ascendant. Mais Lyon. Tout le monde sait que c'est genre. Que c'est un c'est un signe. Ouais, c'est un signe de feu qui est genre extraverti. Ah, mais le monde sache que c'est un signe de feu, ouais. Ok, ouais, je comprends. En tout cas. Cause I'm fire. En tout cas, j'ai un peu changé le texte, mais. Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai handed mon projet. La présentation n'était pas encore tout de suite, là. Fait que j'avais juste parce genre que, remis genre, le texte. C'est ça, parce que l'affaire, c'est que genre, tu remets ton texte, puis après ça, les présentations, c'est plus tard. Mais ils font. Elle a fait des petites notes de comment tu devrais faire ça. Ouais, ils font pour la présentation, exact. Fait que tu fais devant toutes les secondaires. Trois, ouais. Genre, à une sortie, genre en plus. Là, c'est genre au camp, classe neige. Genre, wow. Même. Fait que là, j'avais juste remis mon texte. Moi, j'étais comme bon, tout s'est bien passé. J'ai pas eu plus de feedback que ça. Mais moi, j'étais dans mon cours de maths tranquille pendant. Genre, moi, j'étais en éthique. Puis, genre, Madame Lantier, qui est ma prof de genre il y a 2 ans, genre, comme, puis elle fait genre, oui, bonjour, Emilia, est-ce que je pourrais te voir? Puis, je suis comme, oui. What the fuck, genre, why? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle m'amène dans le corridor. Puis, elle est comme, ben, est-ce que t'as aidé ta sœur à plagier? Puis là, je suis comme,
Le mot plagier. Non, plagier. Et on est dans un collège privé, là. On est dans un collège privé, puis genre, le plagiat, c'est l'affaire à ne pas faire. C'est tolérance zéro. En plus, ils peuvent... Tu sais, vu que tout est à part ordi, ça doit être plus facile de savoir. Mais oui, mais oui, sans... que papier, là. Pas pensé à ça, moi. C'est pas écrit à la main pantoute, là. Non, fait que ça. Là, elle est comme, t'as-tu aidé ta sœur à plagier? Puis je suis comme, moi, direct, que ça. Hein? Tu es trop anxieuse de. Je la protège zéro, genre. Mais je comment? Non, zéro. Puis après ça, elle est comme, va m'attendre dans le bureau de Madame Saint-Laurent. Madame Saint-Laurent, c'est genre la directrice de programme. Parce qu'on se fait genre, bonjour Madame Saint-Laurent. Elle va m'attendre dans le bureau de Madame Saint-Laurent. Après ça, je suis comme. Est-ce que tu pleures? Genre, moi, non, mais crise de panique. Genre, puis j'en faisais. Genre, c'était comme la en secondaire 5, c'est la période que j'ai comme vraiment un pic. J'étais en crise de panique, genre dans le bureau de Madame Saint-Laurent qui est comme, bon, ben là, Milian, genre, elle est un peu en mode, genre, je comprends, là, mais comme, calme-toi parce que t'as plagié, t'as aidé ta sœur à plagier, genre. Puis là, ouais. Je suis comme, non, mais genre, non, puis j'essaie vraiment de me défendre. Là, moi, la prof est venue me chercher dans mon cours aussi. Et là, parce... d'arriver en même temps dans le bureau. Ouais, ben, elle était déjà dans le bureau. Là, moi, elle est comme, viens, Chanty. Puis là, moi, tu sais, tout de suite, je vois ma prof de français. Moi, tout de suite, je sais, là, oh, que non, lien. Non, je suis comme, hostie, genre, moi, je me suis fait pogner. Je sais même pas qu'elle a copié, tu comprends? Genre, je comprends pas. Je suis comme, ben, non, j'ai. Là, moi, quand j'arrive dans le bureau, je vois ma sœur. Moi, tu sais, je pensais que c'était moi qui allais se faire chicaner. Je vois ma sœur. En larmes, genre complètement dans tous ces états-là, je te dis. Et là, toi, t'es comme, oh non. Oh fuck, je voulais genre. Toi aussi, t'es comme, elle le sait pas. Non, ben, clairement, je comprenais qu'elle se doutait bien, là, mais genre. What the fuck, Chanty, genre. Puis là, on commence à genre. Genre, tout de suite, dès que je rentre, elle m'engueule, là, comme ma mère. Genre, la prof a même pas besoin de dire rien. La directrice a même pas besoin de rien dire. C'est genre, chicane de sœur dans le bureau, là. Moi, je suis comme, mais là, Mimi, là, je m'excuse, là, je pensais pas, genre. Puis elle est comme, t'es fucking con, genre, t'as fouillé dans mes affaires, genre, non. Ben parce que quand c'est pourquoi du plagiat... Pourquoi t'es expulsée aussi? Parce que quand t'as du plagiat, la personne qui a, genre, fourni est autant punie. Fuck off, ouais, là, c'est elle, genre, elle disait qu'elle savait pas, mais les profs étaient comme, Milia, là, sérieux, genre. Fait que là, il était comme, les filles, arrêtez votre scène. La directrice était comme, les filles, arrêtez votre scène, là. Rentrez chez vous, les deux, vous êtes suspendus pour une semaine. Et puis, t'es comme, ah ouais. Et là, moi, je capote, Chris, je suis la fille la plus studieuse, j'étais en secondaire 5, genre. C'est comme, je t'en mis, ben, c'est comme, c'est pas des sessions, là, c'est en. C'est des étapes. Des étapes. Je suis mise étape, j'étais en secondaire 5, je capote ma crise de fucking vie, je vais être suspendue pour une semaine, genre manquer. Hey, tu devais être tellement pas contente. En plus, ils sont là. Tellement stricts là, sur le plagiat, là, c'est comme note au dossier, suspendue pendant une semaine, après ça, t'es genre triple checké. Parfait. Ah ouais. Parfait. Elle tâche mon crise de dossier parfait. Genre, honnêtement, j'en voulais même pas d'avoir triché. Mais il y avait rien à faire comme... pour vrai. Il y avait vraiment genre, tu pouvais. Non, il était comme les filles, ça se fait à deux, là, genre, allez-y, genre. Je peux pas croire. Ben, t'as expliqué l'affaire du iCloud? Non. On s'est juste engueulé, genre. Ma mère aussi, elle l'a engueulé. Ouais, non. Quand on est arrivé à la maison, là, après ça, le Mimi, genre. Tu t'imagines, on est pognés ensemble pendant une semaine chez nous après, là. Ouais, ouais. Genre, t'as le. Le après, slash, là, après, là, de elle a maïssé, genre, elle me parlait pas. C'est moi, j'étais comme, ben là, je m'excuse. Là, il était bon, là, ton texte. Là, quoi, zéro? Ouais, moi, j'ai eu zéro. J'ai eu zéro dans mon sens. T'as pas demandé que c'était fucking... Mais j'ai dû recommencer. Là. Ah, c'est ça, t'as dû recommencer. T'as dû en faire un autre après, au retour. Zéro quand même? Non, je me souviens même pas combien j'ai eu après. Là. Moins, j'ai refait un texte pas mal moins bon, là, mais... ben, anyway, j'ai eu zéro avec le c'est six. Fait que ça va pas aider. J'ai l'impression que c'est comme... Ciel, sous oui, mais justement, là, moi, j'étais comme, je vais pas écrire ça en une journée. Là. Elle avait genre des rimes, des belles tournures de phrases, ouais, des figures de elle, elle a travaillé pendant 4 semaines. Ah oh, ouais, genre, je l'ai expulsée, man. Non, je capote. Suspendue. Ouais, suspendue. Oh, non, oui, c'est vrai. On est revenu après, là. Mais... Ok, là, faut qu'on devine parce que là, c'est genre, en ce moment, c'est l'épisode le plus long qu'on a fait à date. Mais moi, je capote. Mais moi aussi, je capote. Ben non, pas oups, là, c'était. Mais non, mais pas oups. C'était quand même malade. Là, on me dit que je le dis à chaque fois. Celle-là. Non, mais moi, j'ai aucune idée. Je pense c'est ça, que... nos histoires, on est vraiment allés... C'est pas des histoires qui se ressemblent. Fait que c'est genre... Mais est-ce que, mettons... Mais là, vous êtes vraiment pas obligé de répondre parce que ça se peut que nous... Est-ce que c'est comme complètement inventé ou c'est inspiré? Est-ce qu'il y en a la fausse? Qui... Ouais, la fausse, c'est ce qui est complètement inventé ou c'est non. Comme... Si vous avez changé la réalité vraiment beaucoup, genre? Ben, moi, ou c'est arrivé à quelqu'un d'autre? Complètement inventé, ouais. Là. La fausse est complètement inventée. La fausse, c'est du début à la fin. Ok, attends, complètement inventée. Ok, dis-le de bras. Je sais pas. Oh, t'es beau. Dis-le de bras. Pas. Attends, ok, non. La. Bali, je sais pas si on renrichit avec vous ou pas. Tu peux. Non, on dit rien, genre. Tu peux, mais ça peut t'incriminer. On vous regarde. Ouais, moi, ça peut t'incriminer. Ok. On regarde leur réaction. Ah, c'est pas ça. Mais c'est parce que je veux. Ah, j'espère tellement gagner. Non, mais c'est ça, moi, j'ai juste. On était dans le ton, t'es comme nous, il faut gagner, là. Ok. Bali, c'est sûr que c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Dernière.
je peux pas croire que c'est pas vrai. Je trouve ça trop bon. Mais aussi, le truc de disloquer, je savais même pas que ça se disloquait un coude. Ouais, ça se disloque. Genre, faut que tu le saches. Tu peux pas sortir une anecdote de même. Puis c'était bon, là, il y avait le... Ah, je sais pas. Puis l'autre, c'était quoi, donc, l'affaire de l'hôpital, puis l'affaire du plagiat? Puis l'autre, Bali, l'affaire ça du plagiat. Pas, ça soit pas vrai. Non, Bali, c'est sûr, c'est... Bali, c'est sûr, c'est vrai. Mais l'affaire du plagiat aussi, là, genre, c'est bon de penser... genre, c'est sûr que c'est vrai. Mais en même temps, je suis comme, pourquoi... Mettons. Mais là, il y avait deux cerveaux plutôt qu'un. Moi, avoir été Emilia, j'aurais vraiment été voir la directrice, j'aurais fait pour vrai, comme chanson d'Arsène. Je pense que j'ai pas fait ça. Non, les profs, ils s'en foutent, là. Je pense que j'ai pas plaidé ma cause, genre. Je pense qu'après ça, je suis pas revenue, puis j'étais comme. Non, elle parle trop, c'est ça le mensonge. Ah non, au contraire, je sais pas. Mimi est encore traumatisée de ce jour. Fait que on dit coude. Je sais pas. Ton call. C'est toujours ton call. Non, mais non, là, non, j'avoue, mais là, c'est à ton tour de décider. Oh. Vas-y. Il me regarde, il me met une petite chaîne, genre, il est comme fuck. Ouais, je pense que le coude, c'est un mensonge. Ok. Fait juste dire si c'est vrai ou pas. Si le coude, c'est vrai ou non. Ouais, je veux vraiment qu'il les aille parce qu'ils sont vraiment cool. On va vous demander si. Est-ce que le coude, c'est une vérité ou un mensonge? C'est une vérité. Oh my god! Ok, fait qu'on a un deuxième. Mais là, vous les savez. Mais d'abord, c'est l'autre en plus qu'il y a le plagiat. Le plagiat, est-ce que c'est vrai? C'est tout inventé. Ah, c'est le plagiat qui est pas vrai. Ouais. Je me suis jamais fait suspendre de ma vie. Mais c'était tellement une bonne anecdote. Est-ce que vous wow. Vous en étiez parlé un peu, genre? Hier, genre. Ok. Wow. Good job! J'étais tellement bonne. On a gagné! Vous choisissez si vous voulez. Est-ce que vous étiez stressée vu que c'était le dernier? Ok. Oui. Parce que on souvent, voulait pas le faire en dernier. Je sais, mais on souvent, ça abonne de même. Le monde sont comme fuck. On voulait le mettre genre au dernier. Mais en tout cas, vous pouvez vous les échanger si vous vouliez. On va prendre le premier puis le dernier. Mais là, je sais pas lequel est lequel. Je pense que je l'ai. Ça, c'est French Kiss. Ah, okay. Man. Tu l'as-tu? Comment tu l'as? J'allais aussi celui-là, il est malade. T'as-tu lui? Non, j'ai pas lui. Okay, ben, j'ai changé. Tiens, ma belle. Ça, c'est la section, genre? Ouais. C'est ça, j'ai pas ça. Fait que ça, c'est French Kiss. Ça, c'est la robine. Fait le French Kiss. Voici le French Kiss. Le produit parfait pour les adeptes de Cunilingus, un jouet discret qui permet de ressentir des orgasmes intenses et ce, à portée de main. Bonne j'adore! Découverte. Je l'adore, c'est mon jouet préf ever. Moi, ça, là, ça te fait venir en une seconde. Ça te fait, genre, pour vrai, là, des fois, je suis horny. Fini, ça prend deux secondes. Oh, mon Dieu. Il y a plusieurs vitesses. Puis l'autre, c'est... Mets ton doigt, genre. Qui va full vite, déjà. On vous offre aujourd'hui la rose. Un jouet à pulsion d'air vibrant, sa puissance surprenante ainsi que sa forme pratique font de ce produit un incontournable chez Eros et compagnie. Bonne découverte. Mais ça, avant, j'avais un womanizer. Ouais. Puis c'est un peu ça, right? C'est à pulsion à air. Ouais, c'est ça. On a gagné! Je suis vraiment contente. Maman va être fière de nous. Mais c'est, ouais, c'est parce que. Tu sais, je comprends pas qu'est-ce que ça fait sur le site, honnêtement. C'est valable. J'ai jamais vu un womanizer. Non, ça aspire pas, ça donne des pulsions à air. Oh! Non, mais c'est vraiment le fun parce que. Oui, c'est ça. Ça aspire un peu. Ouais, ça l'aspire. C'est comme. Mais en plus, genre, je suis vraiment contente parce que. Il est cute, il a une petite fleur. Non, mais. Mais toi aussi, c'est comme une petite fleur. Si j'utilise des jouets, c'est vraiment des jouets de clit. J'utilise pas des jouets genre. D'intérieur. Faut qu'on montre l'autre, là. Elle a pas gagné le ciel, mais c'est. On va vous le montrer. Bill, ok. Et non. Si jamais vous voulez vous procurer ces jouets-là parce qu'ils sont pas sur notre Patreon parce qu'ils ont gagné, c'est Mytho 15 pour 15% de rabais. Mais sinon, il y a plein d'autres jouets que vous pouvez gagner sur notre Patreon. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ben là, si c'est en octobre, ça va être dans la saison 3 des Bracelets Rouges. Moi, ça tombe bien en automne. Il y a la saison 5 de Léo, la dernière. Wow! La grande finale. C'est quoi finale. Tu joues là-dedans? La fille de Chabot. Ouais. C'est. Ça, c'est lequel, donc? Hey, parce que j'ai le meilleur ami de Léo. C'est tellement drôle. Moi, je suis bonne avec les faces plus qu'avec les noms. Là. Mais c'est lui qui joue le père aussi dans Chouchou. Je sais pas. Mais genre, moi, c'est parce que j'écoute. J'ai pas le corps, mais genre, j'écoute des émissions avec mes parents. Genre, tu sais, je sais, ma mère, elle écoute full Bracelet Rouge. Fait que là, genre, elle m'en parle des fois. Je vais le dimanche, puis elle écoute ses émissions. Genre, fait que là, je vois un peu. Mais Bracelet, ça pogne, là. Genre, Ouais. Moi, toute ma famille écoute ça. Moi, là, on a un groupe de famille, comme quand ils écoutent des émissions, ils écrivent, genre, dans le groupe. Aujourd'hui, j'ai écouté les Bracelets Rouges. C'était très bon. C'est cute, merci grand-maman. C'est tellement cute. Mais pour revenir au mensonge, vous avez toutes les vraies. Genre, ok, là tu parles trop, c'est clair, c'est clair, c'est ça le mensonge. Genre, ferme ta gueule, Mia. Genre, après ça, comme, voir que tu serais pas allé défendre à la directrice, ouais, ben clairement. Pourquoi, genre, comme, vous avez toutes les bonnes pistes. Ah, ok. Mais habituellement, moins qu'il y a de détails, plus que c'est vrai.
C'est pour ça que l'affaire de l'Indonésie, j'étais comme, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des mais c'est pour ça que dans cette histoire-là de trucs, il y a énormément, genre de plagiat, il y a énormément de détails. C'est dans ça. Le sens que c'est le slam. Mais le slam, c'est vrai. Genre, c'est pour ça que c'était comme si tu vrai. J'étais genre, c'est vrai qu'on avait un slam à faire, mais ça finit là. C'était vrai parce qu'il y avait des détails, mais c'était pas genre, j'ouvre la porte, je fais ci, je fais ça. C'était comme des noms, des affaires, genre. En tout cas. Mais non, c'est nos vrais profs. Mais c'est en fait, vrai, non, des profs. Le pire, c'est qu'elle a vraiment essayé de genre, elle est comme parfait, je vais prendre le slam de ma sœur, genre, pour le faire. Mais le jour qu'est arrivée la prof en nous présentant, genre, le slam, l'exemple qu'elle avait, c'était le slam de ma sœur. Fait que mon idée de plagiat est morte en une seconde. Là, j'étais comme, elle a ouvert le cahier présentateur, genre, du projet, puis elle était comme, l'année dernière, il y a deux ans. Comme une élève a fait un super slam. C'était un bon exemple que vous pouvez vous inspirer. Chantier était comme, bon. Oh fuck off! Moi, j'ai pas pu plagier pas en tout, j'ai écrit mon propre slam. Fait qu'avez-vous d'autres plugs pour Instagram? Ouais. On peut nous retrouver sur Instagram. Oh mon dieu, oui, c'est Instagram, c'est Emilia Corgo. Shanti Corgo. Yes. Pourquoi de Corgo? C'est un mélange de Corbeil et Gauvreau. Parce que Corbeil et Gauvreau, c'est quand même un peu trop long à taguer. Moi, honnêtement, je pensais, à cause que ça fait longtemps que je vous suis sur Instagram, je pensais que c'était Corgo. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme, les sœurs Corgo, je suis comme, non. Ben, c'est on devrait écrire cor.go. Ouais. Mais moi, c'est déjà shanti.corgo, shanti.cor.go, là. Ça fait des limites web. Moi, ben là, on tourne ça en juillet, puis ça sort en octobre, fait que, ben, je sais pas si je vais avoir des shows. Fait que, ben, moi, j'aimerais ça, là. Ben, sûrement, là. Allez voir, oui. Mais ouais, j'ai dans mes. Je en parle tout le temps sur mon Instagram. Je fais tout le temps des petites stories. Je parle de moi. Je suis très self-centered. J'ai le God complex. Fait que, non, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que venez sur Instagram. Puis venez suivre notre Patreon. Parce que, hey, on est de plus en plus sur Patreon. Ouais, on est une petite communauté. C'est fun. Trop nice. Moi, Instagram, TikTok. Puis, ben là, je sais pas si je vais en faire d'autres choses. Mais pour l'instant, 20h30 chez Mathieu, c'est encore disponible sur Nouveau. Fait que allez voir ça. That's it. Puis mais merci, c'était vraiment le fun. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment content. Comment cool. Vous les avez rencontrés? C'était débile. Genre. Oh my god, l'épisode dure genre 1h30. J'adore. C'est bon. Désolé. Non. C'est qu'on jase. On parle beaucoup. Merci à la semaine prochaine pour la saison 3, même si vous le savez pas, mais c'est ça. C'est la grande annonce. Regardez-nous là, on va avoir vieilli parce qu'on a une petite pause entre. C'est vrai, on prend une pause avant de. C'est vrai, on va tout avoir l'appareil, puis on va revenir, on va être. Toute laid, On va être musclés, regardez. On va commencer à s'entraîner. Ouais, that's it. Vous allez voir le avoir. Je vais être de même, là. En tout cas. Bye-bye. Bye-bye.